aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hello, hello tout le monde, comment ça va-t-il bien? Hein, c'est tout le monde la forme, tout ça. Hein, comme d'habitude, sur cette chaîne, on va parler aquario, marine, on va parler de ce qui vous plaît, de vos envies, vos besoins, vos exigences. Et puis voilà quoi. Attends, je vais juste répondre. Et en même temps, je suis en train de manger mon dessert. Et puis voilà. Mais ouais, on est donc en live. Oh tiens, super. Hop. On va inviter Unique Tattoo. Si déjà t'es là. Hello. Comment ça va? La forme? Ça va et toi? Ouais, super. Attends, hein? Je cherche ma base pour poser le téléphone. Oui, bah oui, moi j'ai mon. Je l'ai pareil, je l'ai sur un pied là. C'est tellement plus confort de. Ah ouais, de ouf. Non, sinon c'est. T'as pas fini quoi. Ouais, sinon tu le tiens tout le temps, t'en... tu t'en sors pas. Non. Salut, c'est quel bac derrière toi, s'il te plaît? Alors là, ça, c'est un Blue Marine Reef 90. C'est celui qu'on voit actuellement tout le démarrage sur ma chaîne YouTube. Un marin. Donc, si tu cherches, tu prends mon blaze, hein, enfin mon pseudo, Mystery Reef Captif, tu le mets sur YouTube, tu trouves une chaîne, et là, toutes les dernières vidéos, c'est le démarrage de ce bac. Ouais. Je les ai toutes suivies. C'est... J'ai pas compris. Je les ai tous suivis, les vidéos. J'ai tous mis des GN partout. Ah oui, mais il y en a encore pas mal qui arrivent, là. Bah, t'inquiète pas, je mettrai des GM. Hein. Ouais, j'ai... Là, j'étais en train de faire du montage, et puis j'ai dit, stop, maintenant, on souffle, j'ai mangé un petit coup, je prends une petite clémentine, et voilà. Moi, j'ai pas encore mangé, j'attends que ma femme m'a rendu travail. Ah oui. Non, ben moi, comme je suis tout seul et que je me lève à 5h du mat, je me couche tôt. Donc, comme le commandant. Si elle se lève à 5h, hein, mais elle n'est pas encore rentrée du travail, là. Voilà. Ah oui. Bah, c'est, tu sais, elle est infirmière libérale, alors forcément. Non, moi, je suis informaticien, donc forcément, c'est pas pareil. Ouais, oui, t'inquiète, je suis déjà abonné. D'accord. Ah, t'as le 60, il est bien. Le 90 aussi. Le 120, il a l'air encore mieux. Mais après, c'est ce que je vais dire là n'est pas péjoratif, mais c'est des bacs pour débuter. Ouais, c'est bien les nanos. Voilà, c'est vraiment des bacs qui sont bien faits pour débuter. Salut Nicolet. Et c'est, quand je dis, j'ai toujours peur que les gens le prennent mal quand je dis que c'est des bacs pour débuter. Ben non. Alors qu'en fait, c'est des super pieds à l'étrier. Pour après passer à autre chose. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas d'inertie dans les nanos. Mais après, oui, ça se corrige vite. Elle est moindre, tu corriges vachement vite. Si tu as besoin, tu fais un changement de 50% voilà, comme ça. Que sur un bac comme ça, déjà, c'est pas la même histoire. Ouais. Bah, sur un 400 ou un 500, c'est pas la même, non. Ouais, c'est ça. Sur le 500, le max que j'ai fait en une seule fois, c'est un changement de 200 litres. C'est déjà pas mal. C'est déjà une sacrée organisation. Ouais, c'est ça. Salut Stéphanie. Alors, ouais, il est bien, mais j'ai dû changer l'écumeur, l'éclairage, je suis débutante, donc t'inquiète. Alors, l'écumeur sur le 90, ça va faire partie des vidéos qui vont venir aussi un coup, quand je vais faire le tour et le compte-rendu du bac. L'écumeur, j'ai mis un Toons. Voilà, 9001, c'est ça? Ouais, parce que celui d'origine, putain, pour dormir à côté, mais c'est impossible! T'as un hélicoptère, quoi! Oh, l'horreur! Ouais, puis le petit Toons, il fait largement le job. Mais il est ultra efficace. Je nourris avec du phyto, par exemple. Le lendemain, il est blindé, mais mon eau, elle est limpide. Bah là, tu vois, j'ai mon petit nano, regarde. Il est sur un Toons, voilà. Quand t'as 1400 litres, tu dois changer la moitié du pleur. Oui, oui. Ouais, c'est... bah ouais, nickel. Et ça tourne nickel, hein.
Le 9001, ouais, c'est la base. Et Rift TV, attends, je vais. Voilà. J'invite les gens qui veulent venir discuter parce que, en fait, je trouve que ça donne une certaine convivialité, ces discussions-là. Ouais, puis en fait, en plus, on échange, voilà. Mais, ouais, parce qu'en fait, avoir toujours l'écran entre nous. C'est. Ah, si tu roules, en effet, c'est pas évident. Mais ouais, ça, il y a toujours un écran entre nous, c'est clair. Mais là, l'échange direct, c'est vachement bien. Bah écoute, Bah, c'est ça. demande à rejoindre Nicolet. Il suffit. Enfin, ah oui, il faut que tu aies 1000 abonnés pour arriver à monter. Ou 500. Ah ouais, je crois Ou que je c'est sais plus 500. quoi, ou Ouais, 100. 1000. 1000 maintenant. Ouais. Bon, ça c'est. Fredo. Salut Fredo. Salut, salut. Je sais pas si tu Le riff du m'entends. Belon. Ouais, on t'entend. Attends, je suis à la télé. Bon, ça va, les gars? Ouais, Ça va et toi, nickel. Fredo? Ouais, bah, je viens de mettre une vidéo là sur mes œufs, les gars. Bah oui, Oui. j'ai vu, je t'ai mis un petit j'aime. Ah, j'ai pas fait gaffe là, je viens d'arriver. Bah ouais, et puis là, bah, je me suis dit, tiens, ce soir, pour une fois, je fais pas de montage, je vais un petit peu faire un live. Bah ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien faire des lives. Souvent, je fais des lives. Ouais, Au c'est moins, je fais mes agréable. tests en direct et tout. Tout le monde voit comment je fais mes tests. Ah ouais. Et puis là, j'ai pris bien de l'avance sur les montages. J'ai investi là pour la nouvelle année et ça me permet de monter vachement plus vite. Donc, je suis moins dans le stress tous les soirs. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu consommes, la coralline, s'il te plaît? C'est le magnésium? Ça va être un peu tout. Bah oui, ça. La Pour moi, coralline, elle c'est. va consommer du KH, du calcium, du Ouais. magnésium. Le magnésium, en général, c'est ce que tu consommes le moins. Bah moi, c'est un truc que je sais pas, j'ai arrêté de mesurer parce que ça bougeait pas. Bah ouais, moi, j'ai acheté du magnésium en prévision quand j'ai commencé mon premier marin. Et là, je viens de le jeter parce que les sacs ont pris l'eau. Ouais, En bah ouais. fait, ça fait, tu sais, comme les trucs qui attirent l'humidité, là, les sacs. Ouais, ça te fait des blocs comme avec le sel. Oui, comme les blocs de sel qui attirent l'humidité que tu mets à la cave ou dans les pièces humides, ça m'a fait exactement pareil avec mes sacs de magnésium. Donc là, je les ai Ouais, mais jetés. ça m'étonne pas. Dès que c'est ouvert, à mon avis, ça prend l'humidité, puis... Et en général, là où tu consommes, c'est le KH et le calcium. Le calcium. Ouais. Moi, j'ai une grosse consommation de KH. Calcium un peu moins, mais le KH, ouais, j'en bouffe. Ouais. Et après, bon, quand tu as, on va dire, un petit volume ou comme ça, souvent les changements d'eau, ils suffisent. Quand je vois, moi, sur mon 620 au tout départ, où je faisais un petit peu de dur, enfin un petit peu beaucoup ensuite, mais où, quand j'ai mis en place la complémentation, le bac, il avait 1 an. Et avant, je faisais tout que en changement d'eau. C'est pour ça, parfois, quand je vois des gens qui attaquent tout de suite, pompe doseuse, alors que le bac, il a 2 mois. Ça va, Fred? T'es en train de Non, t'enfermer? non, mais t'inquiète pas, je donne à manger mes poissons. Ah. Mais je les ai nourris tout à l'heure. Manger le poisson. Uniquement des coraux doux. Coraux Attends. mous, une fois par mois, ça suffit. Tu sais, Ouais, moi 10% je une fais une fois par fois mois par sur mois. des Là, mous, ça suffit. j'ai que des mous, un changement d'eau par mois, c'est bon, hein? Ouais, c'est ça, tu fais 10%. Oui. Peut-être 20, allez, si t'es un peu maniaque. Moi, j'ai fait 8 litres. C'est fait vite fait. C'est nickel, quoi. Moi, là, par exemple, sur le backlash, je fais 10% toutes les semaines. Hop. Allez, je suis devant le bac. Ça y Alors, est. dis-moi comment on fait pour la caméra. Ok, là, c'est ma gueule. Ouais, t'as un petit icône en bas, normalement, avec une croix. Hey. Ouais, c'est ça.
À plus, Marin. Ah, ouais, 160 à faire. Ouais, Et c'est un beau champ de cygne. mais ta forêt de filia, elle est terrible, Fredo. Ouais, j'en ai pas autant moi, Oh, mais. attends. Ah, attends, là c'est mieux, Ah, là. avec Les avec lunettes. les lunettes et tout ça, plaisir. Ouais, j'en ai pas autant de filia, j'aimerais bien, mais. Tiens, d'ailleurs, j'en ai qui vient de se fermer là. Non, mais c'est une folie, là. Vous avez Là, dû les manger, derniers que ouais. j'ai dit. Pop, pop, Les petits pop. derniers, je vais l'acheter. Magnifique ton bac, Fredo. Ouais, merci, merci. Là, j'en ai un beau, là. Même le lobophilia, là, c'est ça, c'est un lobophilia. Celui-là, là? Ouais, l'orange, là. Salut. Ouais, c'est un lobo. Ouais. Ouais, il est Ben, super beau. ouais, Rift TV, ça va bien. Ah, il y a Ouais, c'est Récif incroyable. Fallait Faire qui demande où tu achètes tes The Filia. Hein, et c'est chez Fab Corail, hein, en général, chez toi, pour toi. Pour moi, ouais, c'est fab. Pour moi, c'est fab. J'ai encore un autre site en Hollande où ils ont des belles souches aussi. En langue. Ouais. Master, c'est quoi le site? Dune Coral. Ah, ok. Ils sont sérieux et tout? Ouais, nickel. Ouais, bah, je vais aller faire Comment? un Ça part tour. le lundi, le mardi, je reçois. Ouais, c'est parfait parce que les œufs filets, je sais que ça aime pas trop voyager. Bah là, hier, je les ai reçus. L'eau était à 18. J'avais un peu peur. Ah ouais. J'avais un peu peur hier. Parce que je suis arrivé, je les ai eus à 16h30. Bon, si le SAV laisse tomber, alors attends, je cherche un autre truc, mais non. Ouais, mais moi j'ai hésité à commander du vivant et quand j'ai vu la météo de cette semaine avec de nouveau de la neige, je me suis dit je ferai pas comme la dernière fois. La dernière fois, enfin en décembre, la semaine où je commande mon vivant, punaise, 10 cm de neige et ainsi de suite. J'avais peur que ça arrive trop Nous, la froid. neige. C'était bon. Mais non, non, je fais attention à la météo. Là, je vais attendre 1 ou 2 semaines avant de commander et puis voilà. Je veux pas prendre de risques. C'est normal, ouais. Ouais, moi je sais que l'hiver, souvent je commande pas. T'entends Ouais, il mal? neigeait, hein, ce matin. Et puis là, je commande éventuellement pour le petit, mais pour le gros, j'attends d'avoir changé. Ça y est, c'est Ah ben là, décidé. je prépare, ça va être bien. Ouais. Faut que je me trouve une caméra, c'est un genre de GoPro qui permettrait de filmer toute la journée depuis le haut, pour voir tout ce qui bouge, dans quel sens je fais les choses et tout ça. Parce que s'il Toi, faut tu que je voudrais gère que une tu n'es pas caméra là en la même semaine? temps, ça va être infernal. Alors moi, dès que je déménage, je change de bac, là, je passe sur plus gros. Je pense que je vais faire un gros chalot de 1200 litres ou un truc comme ça. Sympa, un chalot de 1200 litres, ça fait déjà une énorme surface. Ah bah oui, je pense au minimum 1,20 m de long, minimum déjà, par au moins 1,40 m, 1,50 m de large, tu vois. Parce que bah, je passe mon temps à regarder mes coraux du dessus, tu vois, donc. Ah ouais, moi je suis encore un vieux, je regarde depuis le côté, depuis la face. Voilà, tout le temps du dessus. Enfin, Ah, j'aime bien y a... regarder parce que bah, tu vois, c'est un péninsula. Et du coup, attends, bouge pas, je sais pas si. Hop. Tu vois, du coup, tu as les trois faces et. J'aime bien. Merci pour les j'aime. Et il y a Nicolas qui demande quelle taille il fait ton bac, Fredo. 200. Tu m'entends bien? Ouais. 260 par 70 dollars. Ah ouais, c'est. C'est pas mal, ouais. C'est déjà Je sais des. pas si. Ça reste quand même dans des volumes confortables. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. 1200 litres, c'est pas mal, ouais. Mais. Ah ouais. Ouais, toi, c'est vrai que tu étais beaucoup par le dessus. Moi, Ouais. j'ai pas encore réussi à passer sur cette mode-là.
Après, ce qui est chiant, c'est pour faire les photos, bah, tu as toujours l'éclairage qui vient te un peu te casser la tête. Mais j'ai ça à la maison, tu sais, tu trouves en acrylique des ronds, c'est transparent, tu poses, tu mets ton Ah ouais, téléphone comme portable ouais, pour dessus, voir vraiment. Ouais. et alors ça t'en... Ben, comme tu poses ton téléphone portable dessus, t'as pas Ouais, t'as pas les... le ouais, t'as pas l'éclairage. Et à ce moment-là, tu sais, il existe des petits boutons pour déclencher la photo à distance sans toucher, et alors t'es nickel, ça t'évite d'être de travers et de risquer de foutre de la flotte dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ou sinon, il y a un autre truc qui est pas mal. Attends, je te le montre parce que je dois l'avoir là. Tiens, t'as ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais ça c'est ouais, quand super. ouais, mais comme j'ai un iPhone 13 Pro, ben ça va pas dedans. Ouais, il faut trouver la bonne taille. Et sinon, il y a ces pochettes-là, là. C'est les pochettes étanches, là. Ouais. Ouais, j'ai pas confiance. Alors, après, c'est pas fait pour être une demi-heure sous l'eau. Non, bah voilà, ouais. Hein, on est d'accord. Mais quand tu as envie de prendre vite fait une photo, ça te permet de mettre le téléphone sous l'eau, de filmer. Tu mets sous l'eau, tu arrêtes de filmer. Et puis tu as quelque chose qui reste correct et sans niquer complètement le téléphone, quoi. Après, les pochettes, faut vraiment bien plaquer le plastique sur l'objectif si tu veux avoir une belle photo, parce que sinon c'est vite fait dégueulasse. Et il faut vraiment bien fermer et à la moindre alerte, tu sors le téléphone. Parce que j'en ai déjà eu une qui ta couille n'était plus étanche. Donc, c'est du jetable. C'est vraiment Ouais. du... Faut pas avoir peur de se dire, OK, elle est plus étanche, je la jette. Là, je crois que ça doit être la 3e ou 4e que j'ai. Mais c'est pas grave. C'est... Quand tu as un téléphone à 1000 balles, Ouais, je ça pense coûte... que moi je finirais par prendre, tu sais, le plat là. Le plat. Ouais, bah comme Fredo est là. Ah oui, ça c'est le mieux. Mais moi aussi j'en ai un qui est trop petit pour mon téléphone. Faut que je trouve plus gros. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas mal, ouais. Mais Ah, tu l'as déjà bien peuplé ton bac, Fredo. les couleurs. Ah, celui-là, il Ben, est moi beau. je veux commencer à peupler avec des couleurs, mais. Je viens de trouver un beau, là. Tu vois, pourtant, c'est deux. Il y a deux, c'est deux greens toxiques. Mais il y a un qui est plus green que l'autre. Ouais, on voit, il y en a un même qui est plus vert que. Et l'autre, il est un peu plus vers les jaunes. Ah, là, ouais, il est fluo. Il est fluo, Ouais, les verts fluo, ouais. Moi, j'en ai un super, mais malheureusement, il y a l'éclairage, on ne voit pas. Ouais, on voit pas. moi, je viens de rajouter ça. Tu as un petit Ricordé Ayumia. Il est vert, orange et rouge. Ça, c'est... J'aime bien. Ouais, Ensuite, j'ai c'est lui. joli en mou. Il a perdu toutes les couleurs vertes qu'il avait. Il est blanc et jaune maintenant. Hello, Dans les salut rétros. Dairo de la Finlande. Après, bah, j'ai ça, c'est du classique, du vert classique. Et en plus, il m'a fait un petit qu'elle a. Lui aussi, c'est un grand classique. Ouais, t'as Bah, beaucoup de Recordéa, dis donc. pardon? Ouais, t'as beaucoup de Recordéa, quoi. Ouais, j'aime bien. Et celui-ci aussi qui est pas mal, là, en rouge. Oh, Ouais, ça, on voit j'aime pas Marou trop. sur la vidéo. Rouge métal, tu vois. Discosomas, ça. Ouais. Ouais, j'en ai un beau Ouais. là. Une belle souche, c'est Récif Atome, ça. Moi, j'en veux plus de ça. Moi, je Ouais, les pique. c'est envahissant. Oui, bon. Ouais. Et après, un Bah, le petit peu problème, ça va commencé chercher la à lumière. Voilà. Mais ça, c'est le début, on va dire ça comme ça. Là-bas, au fond, j'ai commencé à mettre, hop là, du pachy, mais pour l'instant, il fait la gueule. Ouais, mais ça se remet de tout. Moi, bon, regarde la taille Oui. de la pierre là. Oh, punaise, magnifique. Ben Ouais, ouais, c'est une comme tu grosse l'as. pierre. Je sais pas, c'est au moins 30-40 cm la pierre. Et puis, ouais, comme dit là, le petit Ricordé Ayumia, là,
Je kiffe. Moi, Mais ce mon qui est préféré, préféré. je crois, c'est le Monty Python rose, là. Mais là, le but de ce nano, ce serait arriver à faire vraiment un anneau de Koromu un peu ultra avec des belles couleurs. Donc il en manque, hein. Qu'on soit clair, je viens à peine de commencer, mais j'allais pas le peupler à balle en 3 jours, quoi. C'est Non, puis parce bah, que faut aussi le temps qu'il trouve son équilibre et tout, hein. ben, là, par exemple, tu vois, j'ai une petite poussée de cyano. C'est C'est normal, le normal, c'est les bac. débuts. Voilà, c'est le bac, il a. Je l'ai commencé en novembre. Donc, il a décembre, janvier. Ouais, il a. Tu vois ce que je veux dire? Il a 2 mois et demi. Oui, à un moment, il a un tout petit peu de cyano. Mais ça va partir comme elle est venue. Mais bien sûr, je fais rien. Voilà, j'ai déménagé mon anneau il y a un mois, bah j'ai tapé 15 jours de cyano, puis elle est partie comme elle est venue, j'ai rien fait dessus. Voilà. Et après, j'ai pas mal de détritivores qui me nettoient déjà bien les pierres. Les pierres, ça pousse déjà. J'ai des petits vers turbicoles qui ont commencé à apparaître Arrivé. de droite et de gauche. Voilà, c'est. Ah, dans les Orontus, si, il y a des beaux Orontus aussi. Ouais, mais les Orontus, ça m'a l'air très spécial. J'ai jamais trop osé en faire. C'est très délicat. Ouais, c'est ça, parce que bah, tu peux avoir une belle colonie qui affonde du jour au Bonsoir. lendemain. Et ouais. C'est sympa, là, les variations de température. C'est sympa, les Ça, tu variations changes ton brassage, ils vont pas aimer. Ils n'aiment pas non plus les variations de paramètres. Faut des bacs Ouais. hyper. J'aime beaucoup l'iode aussi, je crois, les Orontus. L'iode et le bleu, pareil aussi. Le bleu. Oui. Attends, j'en ai une. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a filé, mais. Voilà, il restera là, quoi. Ben, Zoanthus, j'ai envie d'en mettre, mais plutôt rester dans la famille des Parazoanthus qui sont un peu plus robustes pour Ah dans le. oui. Mais j'ai un Excel Ou les tout. Palitoa aussi. Palitoa, c'est assez solide apparemment. Hein? Y a Ah, Ludo qui Ludo, me t'es en train de faire du disait. montage. Pour les Euphilia. Ah, Ludo, j'avais fait une vidéo sur les Euphilia torches. Il suffit de la Ouais, d'accord. regarder et de mettre des J'aime bien. paramètres. Ouais, il est super beau. On le voit pas, mais. Bah, s'il fallait faire, j'ai aussi un Excel. Alors après, tu fais tes graphes comme tu veux, mais j'ai aussi un Excel de suivi sur mon site. Ça, c'est sans filtre. Après, j'ai testé aussi pas mal les pH ces derniers temps parce que tu sais, on te dit à chaque fois, ouais, faut pas mettre une vitre au-dessus du bac. Ouais. Et en fait, j'ai essayé. Et j'ai testé le pH avec et sans. Normalement, avec l'écumeur, il doit te ramener assez d'oxygène, je pense. Ben ouais, avec l'écumeur, j'ai pas vu le delta. Voilà. Par contre, là où j'ai vu la différence, c'est sur l'évaporation. Si je le mets, j'évapore 1 litre par semaine. Si je le mets pas, je suis à 5 ou 6. Ouais, mais ça m'étonne pas, moi, sur mon anneau, c'est pour ça que j'ai fini par le couvrir, parce que. Oh, c'est ma décante que j'ai couverte. Ouais, toi, ouais. Bah ouais, pour éviter de trop. Bah déjà, pour éviter d'envoyer du sel partout dans tous les appareils, déjà c'est déjà pas mal. C'est ça. Ça Moi, me mes protège appareils les sont yeux. pas. Ils sont à côté du bac. Donc ça va. Bah moi c'est à côté, hein, c'est assez haut, hein, mais Ah ouais? il suffit que ton écumeur dégueule, ça fait de la mousse, ça fait des bulles et ça envoie du sel partout, quoi. Bah c'est ça, ouais. Donc, Non, que moi, tu vois, c'est vraiment sur le côté du meuble, en fait. Bon, j'ai ma serviette et tout, mais tu vois, tout est sur le côté du meuble, en fait. Et après, j'ai vraiment ma partie qui est à part. bonne soirée, là, s'il fallait faire. Ouais. Avec mon petit flipper. Ça, c'est. Si j'ai trouvé un joli. Ça, c'est un quoi, ça, déjà?
C'est pas une favite, mais ça fait partie pas loin des Ouais, favites. c'est. On Ouais. dirait Favia, Favite, je sais pas trop. Comme celui-là, là, les Dragon Souls, là, en favite, là, c'est pas une favite, c'est une. J'ai mangé le mot. Moi, Ouais, mais je en l'ai tout bien cas, c'est poussé, je sais joli. pas si on la voit. Il a bien, il est bien parti. J'en ai une, elle Ouais, est belle, elle fait au moins 10 cm celle-là. là, je suis assez content des Coral Care, hein. J'étais pas trop sceptique au début des réglages, hein, mais non, c'est. Bah, Ouais, je mais vois que ça pousse quand même, quoi. t'as rajouté des barres bleues aussi, toi. Ouais, parce que les Coral Care, je trouve Elles que. éclairent très blanc, ouais. Ouais, c'est blanc, mais même le bleu n'est pas très puissant, quoi. Bah là, moi, il devrait pas tarder à passer sous bleu, là. Bah là, je suis sur bleu, là. T'as Ouais, rajouté bah, moi, j'ai des barres de rajouté. chez Orfec? Les orphelins, c'est quand même Non, des, c'est vraiment des. AliExpress, je crois. Derrière, ouais, là, derrière. Ouais. Et les orphelins, on peut dire ce qu'on veut, mais ça donne quand même vraiment de la couleur. Ouais, j'aime bien Orfec, c'est une belle marque. Je sais pas si ça change de Ouais. couleur quand je change. On va voir un peu quand je bouge. Mais au niveau des rendus, c'est. Ouais, c'est top, hein. Après, c'est cher. Ça reste toujours cher. C'est ça un peu le problème, quoi. Ouais, mais après, ça tient bien la route, quoi. Ah ouais, c'est de la qualité, hein. C'est Et là, ils increvable. sont passés sur des ampoules de 5 watts, là, donc c'est un peu plus puissant que ce que j'avais avant. Ouais, du coup, Ben, ça doit bien grimper le là, tas. bon, le... J'ai Alors, en dessous, commandé un là, en dessous des éclairage, ça barres, j'ai fait. ressemble au Orfec. J'ai fait des tests de parts en dessous des orfects. Je tape 350 parts en dessous des barres. En dessous des barres. Ouais. Ouais, c'est pas Là, mal. alors, il y Pour a un des bar comme héros le qui demandent si mien, ça change. un bar comme le mien, je pourrais partir presque sur. Parce que ça éclaire quoi? 30, Ouais, 30 tu à pourras en 40. rajouter encore, quoi. Je pourrais taper encore 4 barres dessus, quoi. Ouais, bah, je pense, hein. Et virer Parce mes que gros déjà, là, moi, équerres. en part, là-haut, je suis à 500, là-haut. Tout en haut, je suis à 500. Ah ouais. Ça, faut que je vois pour m'acheter un apogée ou un transant là, un coup. Pour Bah, moi, mesurer je m'en mon suis fait part. prêter un, en fait. On m'en a prêté un et. Mais dans le coin de chez moi, il n'y a personne qui en a. Donc, c'est. Il va falloir que j'en achète un, et puis voilà, quoi, un jour. Et il y a Ouais, c'est des pas gens qui donné, demandent hein. si ça change rien, si mon éclairage est bleuté, mais pas autant bleu que chez Belon TV. En fait, plus tu es bleu, plus tu vas so faire sortir La fluorescence. la fluorescence. Et puis là, aujourd'hui, moi, Mais il faut un j'étais peu de blanc pour la longtemps couleur, par partisan du contre. blanc, mais aujourd'hui, j'ai envie d'éclairer beaucoup plus bleu. C'est pour ça que mon futur éclairage sera beaucoup plus bleu. Ouais. Par contre, faut pas oublier de mettre un petit point de blanc pour garder la coloration des coraux. C'est l'erreur que Parce j'ai fait au tout départ, j'avais mis que du bleu, et c'est pour ça que... que Ah j'ai non. le Ricordia qui est devenu blanc avec le orange. Il avait pas assez, en fait, il avait pas assez de parts ou de photosynthèse. Ouais, j'avais pas mis assez de blanc, et c'était. Ouais. J'ai le même problème avec un œufilia là, il prenait pas assez de bleu, enfin pas assez de blanc, et j'ai monté mes blancs et bizarrement, il a repris de la Par couleur, contre, quoi. si tu veux vraiment un bac où ça pâte vraiment du bleu, tu prends des marques américaines. Tu t'emmerdes pas sur des marques européennes. Ouais, style sur la GNC là. Non, si GMC, c'est pas américain, c'est italien. Ouais, c'est italien, ouais. Si tu veux vraiment du beau bleu, il faut se taper Aqua Illumination, Ecotech. Aïe, ouais. Faut taper dans les marques américaines. Parce que les Américains, ils ont un. Comment je vais dire ça? Ils ont comment merde. Une Ils éclairent habitude très sur les bleu bleus. déjà. Ils ont une Ouais. habitude sur les bleus. Tout ce qui est européen, nous, on tape sur les blancs et on est plus habitué sur les bacs blancs. Tout ce Mais qui est les. ATI, c'est pas bon. Bah, c'est pas bon. Ça pousse, hein, c'est bien. Hein. Mais ATI, c'est pas bon. Tu vois, Gaisman, c'est pas bon. Toutes les marques européennes, c'est pas bon. Tu as Coral Care, c'est pas bon non plus. Ça tape sur les blancs. Mais si tu veux des Ouais, bacs mais ils ont fait vraiment ça qui pour le marché marchent. européen aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et le rouge et le vert, ça sert à quoi? À faire pousser les algues.
Ouais, en fait, moi, j'ai pas vu de différence avec du rouge et du vert. Hein. Dans mon spectre, j'ai pas vu la différence. En fait, Bah tu vas non. venir faire ressortir la couleur de certains poissons comme ça, mais tu vas favoriser la photosynthèse des algues, donc c'est pas forcément intéressant. Et surtout pour le rouge, au niveau de la pousse, ça change un petit peu, mais pas non plus énorme. Ouais, parce que Et je crois que le rouge est très violent pour les coraux. ben moi, ouais, c'est, je suis pas fan du rouge. Et combien de temps d'acclimatation de ton bac après le rinçage de tes roches? En fait, moi, mon démarrage a mis 1 mois et 1 semaine. Donc après mon rinçage, l'ensemencement a pris et le démarrage, le siglage a pris 1 mois et 1 semaine. Ouais, 3% de rouge, oui, c'est ça. Ça sert à, enfin. Ça sert tellement peu que si tu en mets un petit peu, ça suffit pour sortir certaines couleurs de poissons, certaines couleurs de l'un ou l'autre coraux, mais il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Non, parce qu'en fait, du rouge, il y en a dans les LED blanches. Et puis Alexandre, une des prochaines vidéos qui sort, c'est justement l'ensemencement. Normalement, c'est même la prochaine qui sort, sauf si j'arrive à finir celle que je suis en train de faire ce soir, qui va venir faire un break dans la série des vidéos démarrage. Parce qu'à un moment, il faut aussi que je fasse d'autres vidéos que juste le démarrage, quoi. J'ai encore plein de tests produits que je n'ai pas encore montés, il faut que je les monte. Et qu'est-ce que tu C'est. vas mettre comme rampe, Hervé, là-dessus? Eh ben, sur le futur bac, je vais mettre Ah, sur des, le futur bac. Ouais, sur le futur bac, je vais mettre des barres. Mais c'est des barres de chez Gilles. Ah oui, tu m'avais dit. En Ouais, fait. il m'avait contacté aussi, mais. Le problème Vigile qui m'a donné 4 photos de ces 4 bacs qu'on voit sur Facebook et j'ai pas d'informations, j'avais rien, donc j'avais laissé tomber. Ben, moi, J'écris, je je sais réponds au qu'il y futur a bac. Marinome qui les utilise et qu'on est content. Donc voilà. Et là, le prochain bac, c'est j'ai pris chez Gilles parce qu'il m'a fait exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je voulais une structure alu un petit peu comme ce qu'il y avait à une époque sur les bacs Elos. Et sur les bacs de chez Waterbox, très haut de gamme, tu as une structure comme ça alu. Et tout l'arrière est ouvert pour avoir vraiment le plus d'échange d'air possible au-dessus de ta décante, pour Ouais. éviter d'avoir une zone humide autour de ta décante. Tout l'arrière est ouvert. Ouais, c'est ce qu'il parlait François Néo hier soir. Oui, Mais ça c'est ben mon les défauts de tous les bacs qui sont enfermés, quoi. oui. Donc mon futur bac, on va dire qu'en termes de budget, ça n'a plus rien à voir avec un Red Sea. Non, mais c'est pas mé et c'est pas méchant, encore une fois. C'est pas méchant. C'est juste que à force. Pour avoir eu des bacs haut de gamme, des bacs moyenne gamme, de l'entrée, du milieu et ainsi de suite, pour le gros, je voulais quelque chose d'un peu plus quali. Bah, sur mesure, non? Moi, c'est sur mesure. Fredo aussi, c'est sur mesure. C'est ce qu'il y a de Mais mieux, je là, ça va crois. être c'est du sur mesure hein, chez Gilles. Chez Gilles, Mais ouais, c'est mesure. la façon dont c'est construit, ça va ressembler aux marques que je t'ai dit, ou bien il va y avoir comme sur les, je sais pas si tu vois les Kadakois, j'avais montré à Interzo Kadakois, où à côté tu avais une paroi et tu avais toute la partie électrique à côté, je lui ai Bah ça demandé c'est de me top. faire ça. C'est top. Et donc je vais avoir ça exactement. Comme ça, au moins ton matos il prend pas l'humidité. Et c'est pour ça que quand j'étais à Interzo, j'ai beaucoup regardé les structures des aquariums. Et puis j'ai dit bah ce détail me plaît, ce détail me plaît, ce détail me plaît. J'ai assemblé un petit peu tout ça et ça va donner mon futur bac. Ouais, moi c'est un peu pareil, tu vois. En fait, avant j'avais un Red Sea, j'ai eu un IM. Et j'ai un père qui est vitrier, j'ai dit bah mon papa, vas-y, donne-moi du verre en fait, et puis on va assembler le bac ensemble. Et en fait, bah j'en suis super content. Le Red Sea faisait un bruit de fou à la descente. Celui-là, j'ai pas un seul bruit. Pourtant, il n'y a pas de vanne ni rien. On a tout mis en direct comme ça, mais pas de bruit. Moi, j'ai pas de bruit dans le cas, moi, tout est en direct. Ouais, ben, moi, là, le Red Sea, il fait plus de bruit parce que j'ai changé la vanne.
et j'ai mis le Blue Marine Silencer dans la descente de secours. Moi, je suis comme ça, moi. C'est mon deuxième bac que je suis comme ça, j'ai plus de bruit. C'est terminé. Bah oui, c'est noyé, c'est nickel. Et je mets Ouais, des là, c'est tuyaux comme pareil. ça. Regarde. Je mets des tuyaux à nez comme ça fait plus de bruit non plus. Pareil, là, c'est noyé aussi. Bon, on voit pas parce que c'est colonisé avec la coralline, mais ça fait un gros Bah, on balcon, voit en pas fait. parce que tu as éteint ta caméra. Ah ouais, attends. Voilà, on voit pas, c'est colonisé par la coralline, mais ça fait un balcon, en fait, tu vois. Oui. Bien, LVSR, bah nickel. Une semaine tranquille, tu vas voir, ça va prendre quelques semaines et puis ce sera bon quoi. Comme je disais, moi là, au bout de le cyclage chez moi, il a pris un mois et une semaine. La pépé aussi. Je réponds aux gens en même temps. Ensemencement, à quoi microphone? On n'entend plus trop parler de lui, hein. Non. Non. En effet, ça fait un bout de temps que j'en ai pas entendu parler. Pour l'ensemencement entre nous, une bonne poignée d'algues. Un morceau de watt Quelques dans un pierres vieux vivantes bac de qui bonne tourne bien, qualité. c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai essayé, et ça va arriver dans les vidéos, tu sais, les pochons de microphone de chez Amtra. Ouais. Pour les Copépodes, ça marche. Pour les Misis, c'est mort. Bah après, ça dépend de là où ils sont élevés, en fait, je pense. Mais même les Misis, je pense que c'est des variétés pélagiques. Ouais, Donc c'est ça. elles vont jamais coloniser Les roches. la roche. Elles Ouais. sont en pleine eau normalement. Et donc dans un aquarium, il n'y a pas assez de pleine eau pour elles. Non, c'est sûr. Salut, c'est Il y là. a toujours de la prédation dans un aquarium. Il y a plus de prédation que dans la nature aussi, hein. Ça, c'est certain aussi. Parce qu'on est au milieu clos, forcément. Par contre, d'une façon ou d'une autre, j'ai ramené de la gamare puisque j'ai vu une mue de gamare. Donc ça, je suis content. Je pense que c'est arrivé avec l'un des corails. Ça, c'est bien. Et puis, j'ai eu un début de certains vers turbicoles qui arrivent et ainsi de suite. Donc ça, j'aime Ouais. bien, tu vois. Hier, j'ai fait du target feeding aussi. Ouais, ça j'aime bien, moi. En fait, dans le grand, c'est tellement grand que j'ai du mal. Dans le nano, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est kiffant. Ouais, bah ouais, parce que du coup, bah tu vois tout de suite, en fait. Oui. Et puis, Alors moi, c'est sur bizarre, le mes mouches, je les projet de nourris pas, filet, je nourris que mes LPS. tout ça. T'as envie de nourrir tranquillement, c'est ça? Le Easy Space. Ah oui, les espèces, ouais. Ouais, c'est le plan, c'est du Bah, phyto, c'est ça. c'est de la gelée de je sais pas quoi. Ouais, c'est du phyto. Bah, Ça là, fait un j'appelle peu comme ça le un liquide scotiste. plancton, je sais pas après qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, mais ça les excite. Voilà. Tout à l'heure, c'est ça que je balançais dans le bac. Regarde comment il est gonflé là maintenant. Ouais, il est beau celui-là aussi. Ils sont Ouais, tous tu vois, moi, chauds. Hier soir, j'ai donné ça. Ouais, mais là, c'est tu pas les assez trop estivales. sec. Ils sont Ben, je bien le aimés. mélange, tu sais, Voilà. avec Avec le le mélangeur mousseur à lait. donné. T'as vu ça? Avec le Regarde mousseur à celui-là. lait. Et après, petite poire qui ne sert pas au lavement. Ben ouais. Avec ça. Bah, tu vois, ça, je le mélange dans un petit gobelet comme ça. On lit mon gobelet. Hop. Ça, c'est mon gobelet. Je mets l'eau du bac dedans, je mets la dose un peu moins, je mets jamais la dose qui demande, je mets toujours la moitié de Pareil. dose. Je touille, je touille, je touille, je touille, comme si du gel, ben je mélange bien avec l'eau et je balance dans mon bac. Bah Et alors ça dégage. Fredo, Et ils ont ça fait dégage ça, après. c'est génial. Les mélangeurs à lait. Le C'est mousseur quoi à ça? lait, ça marche super. Ouais, ça marche super bien. Ah ouais, ça marche bien aussi, hein. Moi, je touille, je touille, je touille.
Je vois, hein, je vois. Hein, ça fait. Bah, ça, c'est un échantillon qu'on m'a envoyé. Ouais, on m'a envoyé. C'est mon collègue qui a pété son bac. Enfin, qui a pété. Son bac s'est ouvert, qui m'a donné ça. Je vais Ah essayer, oui, je mais vais déjà, voir. les bacs qui s'ouvrent, j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant. Non, mais le bac, il avait 24 ans. Hein. Ah ouais, donc T'inquiète pas pour là c'est ça. normal, ouais. Ça, c'est Ouais, là normal. c'est normal, ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est assez courant ce problème-là. Bah, C'est un des risques principaux avec le bac qui pète. Ouais. Moi, Et j'ai déjà puis, eu, moi. rotifère ou plancton rouge, j'en trouve pas en frais, Non, des toujours en planctons congelé. rouges. Après, je donne des. Je trouve chez mon animalier du plancton vert en général. Et puis voilà quoi. Ah, plancton rouge cube. Non, j'ai pas. Je prends pas en congelé. Et d'une parce que. Ouais, mais ça flotte tout ça, là, ça flotte. Il faut trouver la nourriture qui tombe Ouais, c'est. assez vite au fond. Bonjour Steph. Parce que Ouais, si c'est tu prends ça. une Ou alors il mouille. faut mettre à part dans un gobelet, le laisser se décongeler, Ouais. attendre, bien mélanger, touiller. Après, ça pue. Ouais, c'est chiant. Ouais, je suis pas. Il faut trouver Je suis la chiant, hein, nourriture. mais. Faut trouver la nourriture qui, voilà, qui te prend pas beaucoup de temps et que tu qui nourrit quoi. Moi, c'est ça. Ouais, en fait, chacun, il y a une telle offre commerciale aujourd'hui que tu peux pas dire il y a une mauvaise. En fait, c'est à chaque fois adapté À tel ou tel à besoin. certaines habitudes de chacun. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je suis Mais à la paponne. il y a ça aussi qui marche très bien. Ah, le Mais il faut Minet, faire ça marche attention. Faut super. faire Ouais. Mais pour être attention, phosphate. voilà. Ben, il nourrit fort, on va dire ça comme ça. Le Voilà, c'est ça. NKP qu'il y a dedans, c'est du Ouais, bon les phosphates. NKP. Tous Je les lis. produits marchent, hein. Tous les produits marchent. Ça Après, dépend nous, les aussi de toi, éleveurs de de ta poulains. maintenance, de ton protocole aussi. Je pense, de pas mal de choses. Ben oui. Après, comme il dit Quelqu'un Hervé, qui il y a fait de la jamais bonne de marge. changement d'eau, je pense qu'il aura plus de problèmes que quelqu'un qui fait beaucoup de changements d'eau, quoi. Oui, ça aide. Les changements d'eau, justement, ça permet d'évacuer tout ce genre de choses de Voilà, façon c'est ça. ultra simple. Et dans un anneau, c'est vraiment la plus simple des façons de faire. Ouais. Dans un gros, on fait plus attention à ce qu'on met dedans parce que Ouais, c'est le ça. changement On d'eau noie est moins simple à moins, un faire. petit peu moins et tout, ouais. Ouais, il est beau ton bac, Fredo. Ouais. Je m'écarte un peu. Mais je pense que de ce qu'on va appeler gentiment le YouTube Game, tu as un des plus beaux bacs. Si on regarde aussi bien chez les Allemands que chez les Américains, tu as un bac qui est fou. Hein. Ouais, Salut, ça même va? taille, il a un super beau bac taille. Après, je cherche faire différemment mes bacs que j'ai fait aussi avant. Je préfère. Ah. Alors, après, c'est très personnel, mais je préfère celui de Fred. Mais Ouais, il ça est. n'enlève rien à celui de taille. On est Non. que ce soit clair. On va pas. Et je veux pas un drama demain. Non, je crois que c'est. Non, je crois que c'est équivalent. Vous avez tous les deux des beaux bacs, de toute façon. Après, moi, Moi, je suis il y a un arrivé. récifaliste en Normandie, il a un bac de folie. Il est à Passy-sur-Eure. Il s'appelle Dan. Dan Rix. Et il a un bac SPS de folie. Vraiment de folie. C'est un des plus beaux bacs que j'ai vu de ma vie. Ça fait ouais, 6 ans que je fais du récifal. C'est le plus beau bac que j'ai vu. Bah, je connais pas lui, tiens. Bah, bon courage, sapeur Bibu, qui est dans ton camion. Hein, dommage que je puisse pas venir en live. Bah ouais, c'est dommage. Et puis, ouais, t'es comme moi, t'es loin de ta femme toute la semaine, sapeur Bibu. Mais bon, l'avantage, c'est que je peux avoir un récifal là où je suis. Dans le camion, le bac récifal, c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est plus compliqué. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bah là, je monte en Belgique là, à la fin du mois. Ah, ouais, ça va être une sacrée expédition. J'espère Mais trouver des belles choses.
Ouais, comme on disait, à part là, il faut voir ce que tu peux trouver. Il y a plus, c'est plus autant la folie qu'à une certaine époque en termes de magasins Récifo en Belgique. Ouais, mais tu vois, là, j'étais en mois d'août à Passon-d'Or et j'ai vu quand même encore des beaux trucs. Ah oui, il y a toujours encore des trucs, des belles choses, hein, je ne dis pas le contraire. Non, je parle plus en termes de quantité de magasins. Parce qu'à un Ah moment, ouais. c'était de la folie. Il y avait un magasin à chaque coin de rue, presque. Enfin, j'exagère à peine. Je fais à peine mon Marseillais. Oh, moi j'avais été en. Quand j'étais en Allemagne dans les fermes, là, je ne sais plus dans quelle année c'était, il n'y avait pas grand-chose en Belgique. Hein. On avait fait le tour aussi, hein, mais on n'avait pas vu grand-chose. En À Allemagne. part le numéro 1 à l'époque, c'était Poisson d'Or. Mais il n'y avait pas tant que ça. Beaucoup de petits shops. C'était des petits shops, mais pas des grosses boutiques. Et moi, j'étais en 2000. Ça fait combien de temps j'étais là-bas, moi? Bon, ça fait 10 ans que j'étais là-bas, en Allemagne. Par contre, en Allemagne, il y avait des sacrés shops. Ouais, en Allemagne, c'est génial pour ça. L'Allemagne, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, il faut que j'aille à Fribourg. Donc Fribourg en Allemagne, pas Fribourg en Suisse, là où je suis. Il y a Unterwasser, ils ont fait un bac en forme de stade ovale, comme ça. Mais il est superbe et j'ai envie d'aller le voir en vrai un coup. Parce que c'est super joli. Et il y a quelqu'un qui parlait de Nguyen. Nguyen, en fait, il y a de, tu peux de moins pour le particulier, c'est de moins en moins fait pour le particulier, on va dire ça comme ça. Ils sont vraiment orientés professionnels et quand tu arrives, même un saut de sel, faut le demander parce qu'ils l'ont pas en démonstration, enfin en prêt En stock. à emmener quoi. En stock, ils l'ont pas en stock, quoi. Non, ils l'ont pas dans la boutique, ils l'ont en stock derrière. Ah ouais. Donc ça c'est ouais, ça devient compliqué chez Guyenne. C'est pour ça que ben je préfère aller à Nilufar, à Saint-Louis ou bien à Colmar ou directement aller à Besançon chez Récif Atom. Parce que de chez moi, j'en ai pour 1h45 pour aller à Récif Atom, donc autant dire que pour des gros Chez trucs Récif Atom, ils ont des super pièces. je sais. Ouais, mais les pièces, moi, toi, j'ai été encore faire un petit tour ce soir. Je tombe pas amoureux des pièces encore. Je sais Ouais. pas. Bah moi, je sais que j'ai du mal à acheter sur Internet. Je préfère voir les animaux de mes yeux, en fait, en vrai. Bah, moi aussi, et c'est pour ça que j'ai du bol de pas être loin. Après, je fais confiance à Boris et Mehdi et leur équipe, et ainsi de suite. Mais en général, par exemple, là, le bac, j'ai envoyé ma femme le chercher. Je ne l'ai pas fait venir en camion. J'ai fait une livraison en VPC en Suisse. Pourquoi? Parce que bah, c'était pour tester le fait qu'ils arrivent à envoyer à l'étranger. Voilà. Mais après, en général, j'aime bien acheter sur Comme un place. voile, ça Ouais. doit être du plancton. Ouais, ça doit du. Ouais. Je suis à 25 minutes de. Ça, quand tu débutes. Ouais. Bah ouais, Alexandre, si tu es à 25 minutes, tu es à la source de je pense, une des plus grosses boutiques de France. Ouais, je Ah, pense, c'est oui. une des plus grosses, hein. Après, Même ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu vois sur Internet, quoi, ils montrent des choses, quand toi tu veux acheter, tu vois pas tout non plus sur le site Internet. ben, sur le Non? site internet, en fait, dans la boutique, il y a tout ce que tu peux acheter sur place qui est absolument énorme et il y a des Ouais, batteries mais. qui sont dédiées à ce qui est vendu sur internet. Ouais, Et en donc, Wheezy Wind, ce sur qu'ils appellent, internet, il n'y ouais. a qu'une sélection. Il n'y a pas tout. Non, c'est que Ouais, la c'est ça que je veux sélection, dire. ouais. C'est ça que je trouve qui est un peu dommage, quoi. Tu vois des fois des mises à jour de Récif Atom, tu dis, voilà, ouais, la vache, ça va envoyer vendredi soir. Et tu vas dessus, et il n'y a rien, quoi. Tu trouves pas le Dommage. corail qu'il faut. Sapeur, ton bac, il a démarré il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps. Ouais, au tout départ, tu vas avoir des tas de choses comme ça. Tu vas Perso, avoir de la diatome et de la cyano, etc. Et en fait, ça laisse couler tout seul. C'est comme je montrais avant. Actuellement, j'ai de la cyano. Mais mon bac, il a 2 mois. Autant dire que je m'en tamponne. Je vais laisser ça tranquillement se passer. Un an et demi, ah L'épisode. ouais, c'est pas normal. Ah non, un Peut-être an et demi, t'éclaires trop fort. Soit t'éclaires l'éclairage, trop le fort. brassage. Brassage aussi. Plus tu brasses. En fait, il faut trouver le bon milieu. Parce que si tu brasses pas assez, tu vas avoir des bactéries sur les vitres.
Si tu brasses trop fort, tu vas nourrir certaines algues qui se collent aux vitres et qui vont chercher le nutriment dans le courant. Donc, il faut Ouais, trouver le l'éclairage juste aussi. milieu dans ton brassage. Riffrag à Bruxelles, maintenant, étant belge, c'est plus facile, je n'ai pas la VPC. Bah, oui, moi, la Bruxelles, c'est un peu loin pour moi, mais je comprends tout à fait. J'ai le flux de brassage qui va sur la vitre avant, et c'est à cet endroit. À ce moment-là, tu es peut-être Voilà, un peu t'as ta trop fort. réponse. Voilà. Tu as ta réponse. Mais c'est hey, c'est génial. T'as vu cette réponse en live? Voilà. Mais je vais aller faire un tour là chez Riffrag aussi à Bruxelles. C'est dans la périphérie ouest. Je vais aller faire un tour. Après, moi, je peux pas forcément toujours. Tu brasses peut-être pas trop, mais peut-être trop sur tes vitres. Ouais, moi je fais gaffe aussi, tu vois, quand je vais en vacances et que je passe dans des magasins, je peux pas faire tous les magasins, donc il faut que je sélectionne à l'avance, parce que si je fais tous les magasins, madame, elle devient folle, hein. Déjà là, Ça, l'été puis dernier, le quand je suis PEL, il allé. claque. Pardon? Bah là, t'as fait des Le magasins au Canada, toi. PEL. T'as fait des magasins quand t'es parti au Canada en vacances, moi déjà, c'est niette. Ah ben, ouais, moi j'en ai fait deux. Moi, c'est niette, direct. Oui, non, mais ça me rassure parce que j'arrive, enfin, j'ai de la chance, j'arrive à en négocier un petit peu. Mais ouais, c'est. Un coup, on était parti, on était à Paris, on avait fait Disney avec des collègues Ouais. et ma femme. On a fait le salon automobile, tout ça dans la même semaine, le salon automobile. Et à l'époque, j'étais fan des Discus. Et à Paris, il y avait des sacrés shops de Discus. On avait Ouais. fait une à Blon-sur-Seine, ça s'appelait exactement, en sud de Paris. On fait le premier shop au APK, il était 4 heures. Et on devait monter dans le nord de Paris pour aller faire un autre shop avec 600 ou 700 Discus à disposition. On n'est même pas arrivé, on n'est même pas arrivé devant la boutique parce qu'il y avait encore pour 1 heure de route. Il était 19 h. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour pour retourner à l'hôtel. On est retourné à l'hôtel, on est rentré, il était 20 h 30. Et on était en route depuis 2 heures d'après-midi. Ma femme qui gueulait, elle me dit, vous étiez où? C'était un truc de Ben malade. On n'a moi pas je vais vous avancé. laisser les gars parce que ben, en parlant de ça la mienne elle va râler après. Non. Non, parce que oh, t'es encore avec ton aquarium. Je crois qu'on l'a tous entendu celle-là. Ouais, Je c'est vous souhaite comme une moi bonne soirée quand les je gars. discute. Ouais, bonne soirée. À Bonne plus. soirée à vous. À bientôt. Allez, moi aussi, je vais aller aussi, parce qu'il faut 20 h bientôt. Ouais, Ouais, c'est bah ça. bonne Moi, je vais me faire soirée. tirer les oreilles à la fin, à la rentrée du boulot. Avec ronchonchon, sinon. Ouais, prépare bien à manger, un petit dessert, un petit fondant au chocolat pour finir tout ça. C'est ça, t'as tout compris, en fait. Ah ben. Ouais, Tu crois que c'est comment que je fais pour avoir mes magasins quand je suis en vacances? C'est que ah je sous-dois toute l'année. non, moi, non, ça va. Là-dessus, elle me laisse tranquille avec mes bacs. Elle aime bien du coup, c'est elle aussi qui vient choisir les courants avec moi, c'est bien, tu vois. Ben, moi, ma femme, elle aime bien, mais elle veut pas avoir les contraintes comme là, je vois qu'il y a Nicolas qui dit sa femme lui nettoie l'écumeur. Ma femme, ça, elle veut Ah même non, pas c'est moi, voir. ma femme, elle fera pas. Elle fera pas les changements d'eau, elle fera pas les tests, elle fera pas tout ça. Mais pareil, il ne fera pas les tests et tout ça. Pour qu'elle me fasse ça, il faudrait que j'ai les deux pieds dans le plâtre, allongés et impossible de m'occuper du bac. Sinon, elle ne le fera pas. Tu sais, la fois j'ai été malade, elle m'a fait mon osmosé, puis elle m'a nettoyé mon écumeur. Tu vois? Ça, c'est cool. Non, non, moi, je fais en Voilà. sorte que le bac, il tienne toute la semaine quand je ne suis pas là. Et puis après, ben, fin de la semaine, je fais en sorte que celui-ci tienne tout le week-end quand je ne suis pas là. Ouais, mais ça c'est un stress aussi. Moi, quand je pars, je sais que je suis pas bien. Je pars 3-4 jours, je suis pas bien. Limite, je suis inquiet pour mes animaux, en fait. Pareil. Ouais, Pareil, c'est. je suis inquiet. Là, j'avais une semaine de congé entre Noël et Nouvel An. J'étais pressé de revenir le 2 janvier pour voir l'état du bac, quoi. C'est ça, à chaque fois, tu as la petite appréhension quand tu rentres chez toi, la petite boule. Est-ce que tout s'est bien passé, tu vois? Est-ce qu'il n'y a Ouais, pas eu de merci. coupure de courant? Il n'y a pas eu de. Tu vois?
Merci à tous pour les 3000 j'aime. Ah ouais. Non, c'est cool. Bon, allez les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Mais comment tu fais pour mettre des j'aime là-dessus, toi? Ils font des En fait, double-clics. tu cliques sur l'autre et ça va lui envoyer des j'aime. Tu vois? Ah ouais, C'est ok. fini. Ah Tu ouais, cliques sur donc l'écran non. là où il y a l'autre et ça va te mettre des j'aime. Et si je te fais sur toi, là? Aïe, Voilà. il y Sur a toi? 8600. Moi, ça m'affiche 3200. Ouf, écoute, je n'en sais rien. Mais merci beaucoup à Ouais. tous ceux qui envoient des j'aime. C'est vraiment super cool. Et j'avais vu un truc Dario. Je rentre que samedi de Finlande. Mon père m'envoie pas de photos. Je stresse là. Ah non, moi, mon père, pareil, il m'envoie pas de photos quand il nourrit le bac. Hein. Ouais, faut Déjà, je veux que tapoter, personne nourrisse mon bac. mais moi, J'ai un c'est mon. distributeur pour ça. Ouais, mais mon père vient, il passe voir si ça va. Et puis, bah là, samedi, par exemple, je vais chez un pote pour remettre de l'eau osmosée, vider l'écumeur, tout ça. Passer un coup, lui faire une photo, et puis ça rassure. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, quand on a du monde, ouais. Ouais, ça Bon, c'est. allez, les gars, bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Allez, bonne soirée les gars. Je garde mes forces pour être bloqué dans les ronds-points demain. Ah, Ah, demain, mais je c'est les suis grèves. content. Je suis pas en France. Donc ça va. J'espère juste que vendredi soir, quand je voudrais rentrer, on me fera pas chier. J'ai pas le choix et mon père m'a accompagné dans la création de mes bacs, donc j'ai plutôt confiance. Ah oui! Non, moi, mes parents, j'étais déjà marié, j'avais déjà des enfants, j'avais déjà ma maison, tout ça, donc je suis tombé dedans un peu trop tard pour construire la maison autour de l'aquarium, mais ouais. Mais ouais. Et en même temps, dans la maison, au tout départ, j'ai commencé par du poisson rouge, quoi. C'était pour faire comme ce que j'avais eu chez mes parents. Chez mes parents, il y avait la boule avec le poisson rouge. Alors, j'avais pas mis la boule, mais mes compétences à la base, c'était ça, quoi. Bon, je vais le laisser, Hervé. Bah, à plus, bonne soirée, merci d'être Ouais, je vais passé. manger. Allez, à plus tard, salut. À plus. Ah oui, Guppy, Platy, ça, en plus, ce qui est génial avec les Guppy et les Platy, c'est la repro. Quand t'as des gamins, pouvoir leur expliquer la reproduction d'un animal, c'est super bien. Perso, je trouve ça génial. Et j'avais des mollies, des black mollies à la cave quand je faisais différents tests en marin dans la batterie. Et pour expliquer la repro et voir les bébés, tout ça, les gamins, ils adoraient. Ouais, ça arrête pas, ouais, c'est des lapins, hein. 6 générations. Bah ouais, mais c'est. Je trouve vraiment que ça, c'est ultra intéressant d'expliquer à des enfants. C'est pas les Black Molly que l'on peut mettre dans nos récifs. Si, si, si. Alors, le mythe, c'est que ça mange les algues. La réalité, c'est qu'ils n'en ont rien à battre. Si à manger, ils te brouteront jamais les algues. Mais en effet, ils peuvent passer en eau de mer. Et alors, tu as toujours monsieur, je sais tout, et ainsi de suite, qui vient et qui te dit, mais tu tortures ce poisson, il est fait pour de l'eau douce, et là, en eau de mer, avec le sel, tu le fais souffrir. Alors qu'en fait, le Black Molly, il est comme le saumon équipé d'une pompe à sel, et c'est tout simplement parce que là d'où il vient, il passe par la mer pour coloniser les autres rivières. Donc il est fait pour, il est adapté à ça. Ouais, ça peut être sympa aussi d'avoir des poissons noirs, ça c'est certain. Après, ils vont pas se reproduire beaucoup si tu as du brassage. Si tu n'as que peu de brassage, ils peuvent se reproduire.
En fait, c'est comme les saumons. C'est instantané. Il n'y a pas de. La seule chose où il faut faire gaffe, c'est le fait d'avoir la même température et ainsi de suite. Mais sinon, le passage de l'eau douce à l'eau de mer, ils le font en instantané. Puisque l'eau douce et l'eau de mer ne se mélangent pas vraiment dans les estuaires. Et tu as, on va dire, un mur où tu as encore l'eau douce et d'un coup ça passe à l'eau salée. Et les poissons, ils sont capables de passer de l'un à l'autre en instantané. Il n'y a pas besoin d'une acclimatation super longue et ainsi de suite. Au tout départ aussi, on me disait, ouais, faut des acclimatations sur 24 heures et ainsi de suite. Alors que dans la nature, c'est, il descend de sa rivière, il arrive dans la mer, quoi. Tu crois qu'il a 24 heures d'acclimatation? Non, non, non. Ça combien? Parce que moi, je suis sur 250 litres. J'ai pas encore peuplé vraiment. Et. Mais ouais, moi, derrière moi, c'est un 90. Attends, je vais me rapprocher parce que. Je sais pas pourquoi je me suis mis super loin du bac. Et puis voilà. 1000... Oh, 1400 litres, ça c'est déjà être sympa ça. Un poisson dominant. Regarde du côté des chires ou bien ce genre de choses. Le poisson chirurgien est très dominant par nature. Donc, si tu cherches un poisson qui domine, le soal, ouais. Là, faut du volume. Là, faut du volume. C'est comme l'impérator. Faut du volume. Ouais, dans le sens, c'est le plus gros, ouais. Mais tu regardes un impérator. Ce qui est génial avec les impérators, c'est que ça grogne quand ça a faim. Donc, un chirurgien, c'est limite, non. Le seul chire que tu peux mettre, c'est le flavescence. C'est le Zebrasoma flavescence, c'est le seul que tu vas pouvoir mettre dans 250 litres. Et tu en mets un. Ben ouais, moi j'adore l'impérator. Après là, on a plus de bac au club, donc j'en ai plus. Mais l'impérator qu'on avait au club, quand on arrivait pour le nourrir et que c'est, il était plus tard que d'habitude comme ça, on se faisait gronder. Non mais le problème c'est pas que quand il fait 4 cm ton scopa. Le problème c'est qu'il va grandir. Et donc tu vas faire quoi ensuite? Il faut à ce moment-là d'un coup que tu trouves quelqu'un qui a un gros bac et qui veut un scopa. Et c'est pas. Ouais, l'impérator, c'était dans un fish only, hein. Mais et après, il va pas grandir vite parce que tu vas être dans un petit volume. Donc son corps va rester petit. Mais les organes internes, ça va faire comme avec les poissons rouges, les organes internes continuent à grandir. Alors que l'extérieur ne grandit plus pour être adapté à ton volume. Et là, à un moment, ça coince et tu vas avoir des animaux qui font pas leur durée de vie normale parce que. Parce que, quoi. Mais ouais, il faut de la place. On avait un bac qui faisait 2,50 m par 60 par 60 en fish only. Et pour lui, c'était bien. Et dedans, on avait aussi récupéré des étoiles de mer, tu sais, qui mangent les coraux, celles qui ont les pointes rouges, ce genre de choses. Qui je peux inviter? Eh, j'ai le droit d'inviter des gens. J'arrive pas à inviter les gens Alors, un chirurgien d'occasion. Ouais, mais Rudd, un flave, quoi. Non, ça change rien s'il est déjà adulte. Moi, mes flaves, enfin, mon flave, il est adulte. J'ai rajouté, il est déjà adulte.
Moi, tu peux pas sniff, ça change rien. Bref, voilà quoi. Mais là, je vais tourner aussi. J'ai tourné déjà la vidéo, faudra que je la monte. C'est sur comment j'ai perdu mon un de mes flaves le 24. Salut Geoffrey, ça va? J'ai un gars sur le bon coin, il a deux flaves jaunes en stock. Il me répond tous les j'ai le seum. Si le vendeur il n'est pas sérieux, passe à autre chose. Ça, c'est un truc qui, moi, le gars qui te répond pas et ainsi de suite, je passe à la suite. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui en ont rien à battre. Parce que si c'était lui, il serait énervé et ainsi de suite. S'il en a rien à battre, passe à un autre. T'as un corail qui nage. Ça s'appelle une anémone qui s'est pris dans le courant. Oh, salut Eau de Récif, comment ça va? La forme? Non, pas une anémone. Un corail qui nage. Je suis curieux là, parce que je vois pas trop qui ça peut être. Hello, hello, c'est rouge et ça nage vraiment. De la famille des coraux rouges et qui nagent. Je regarde pas. Genre, je vois pas vraiment. Quand je serai de retour à Nice, je peux essayer de faire un live avec toi si tu veux. Bah, si c'est juste un soir où je fais un live, oui. Après, il y a beaucoup de soirs où je suis occupé. Les week-ends, tu oublies, c'est la famille. Donc voilà. Ah, c'est oui, c'est pas la femme du corail, c'est une cri. Attends. Ah, oui. Crinoline. Non, c'est pas une crinoline. Oui. Après, pour à nourrir, tu utilises la nourriture pour coraux, ouais, parce que c'est plutôt difficile. Et si tu cherches des conseils, tu vas chez Fauna Marin. Ils ont tout un protocole de nourriture pour tenir ces animaux-là. Et ça a 8 pattes pour venir s'accrocher, mais sinon ça a comme des plumes qui viennent battre pour venir se déplacer. Je ne sais pas trop quoi mettre comme pompe de brassage dans mon futur 120, 80, 70. Tu me conseilles quoi? Alors, je te conseille quoi? Personnellement, j'aime beaucoup les gires de chez Maxpect. Ça marche plutôt bien. Et j'aime bien les pompes de chez Tunes. Et j'ai testé aussi la Octo. Et je sais pas si j'ai regardé là, la Octopulse 4. Je l'ai sur mon bac depuis 2018. Elle n'a jamais vu une éponge pour la nettoyer. Et elle tourne encore. J'ai regardé l'autre couche, ça fait 5 ans qu'elle est dans le bac, que je ne l'ai pas nettoyée et qu'elle tourne. Bah écoute, je nourris comme les poissons et elle tient pour le moment. Ah bah ça c'est cool. Jébao, pas de souci. Alors Jébao, autant en pompe de remontée, pourquoi pas, en pompe de brassage, elles font pas les chiffres qu'elles t'annoncent. Voilà. Si tu mets 4 pompes de 6 000 de chaque côté, ça peut le faire. Ouais. Allez, gire, mais quelle puissance? Ben, les gires, il te faut entre 30 et 40 fois le volume de ton bac en brassage. Donc, ton volume. Attends, faut que je retrouve le bac. La taille du bac, il faut que je la retrouve. 120, donc 12 par 8 par 7, ça va faire 600. 600 fois 40, ça fait 24 000. Donc, il te faut des 6 000, il t'en faut 4.
Moi, je teste Régugu, si vous voulez. Connais pas. Moi, déçu par les gires. Après, comme dit, les gires, on aime ou on n'aime pas. Après, moi, ma stream 3, je suis très content. Là, la gire en jump, je suis plutôt content. J'ai encore. Pareil. J'ai une tendance naturelle à pas nettoyer mes pompes pour voir jusqu'où elles vont. Troisième moteur. Ouais, là, c'est pas de bol, là. 650 litres, donc entre 24, ouais. Ben ouais, les Stream 3, c'est vraiment robuste. Après, ça peut arriver d'avoir besoin d'un SAV. J'ai déjà eu besoin d'un SAV sur mes Stream 3. Mais pareil, je les ai depuis qu'elles sont. Je les ai achetées le jour de la sortie des Stream 3, quoi. MP40. J'avais des MP40, mais en Jebao à une époque, elles ont tenu un an et demi avant de crever. Ouais, c'est sur Amazon en vrai pour 24 euros. Ça fait le taf, surtout que ça fait un an que j'ai pas nettoyé. Ok. Bon, après, c'est du jetable, je pense, mais ouais. Moi, j'ai contacté Claude et il m'a direct renvoyé. Bah oui. Mais Claude, il a arrêté là de faire le SAV Tunes. C'est des 6200. Ah, MP40 de chez Vortec. Ça c'est bien qualitatif. Ouais. J'en ai jamais acheté pour moi, mais j'ai des amis qui les ont. Et en effet, ils en sont satisfaits. Après, moi, c'est toujours difficile de. Et d'une, je suis passionné comme vous. C'est-à-dire que je ne peux pas tout acheter. J'ai un budget. Limité et je ne peux pas tout tester. Et c'est difficile pour moi de conseiller quelque chose que je n'ai pas testé. Donc parfois, je préfère dire que je ne sais pas que les Reef Wave, j'ai pas testé, voilà, justement, j'ai pas testé. J'en ai 4 et franchement, top top. Les MP40, ouais. En plus, ils ont une application pour les synchroniser de mémoire qui a l'air sympa. Faut voir après dans le global, mais ouais. Ouais, je peux pas tout acheter. C'est impossible. Et surtout que c'est mon budget à moi. Pour ceux qui savent un petit peu, qui ont un peu suivi le budget de ma chaîne, je mets, même pour faire des vidéos, tout l'argent, il est de ma poche. Mes vidéos me rapportent rien. Donc, voilà. C'est juste pour kiffer ensemble. Et s'amuser, voilà. Partager la passion. Ça vaut. Surtout quand tu vois le prix, tu peux pas tout acheter. Ouais, 450 euros une pompe, ouais, c'est. À un moment, faut faire des choix. Et en plus, j'ai 3 enfants, donc eux seront toujours prioritaires. Et puis voilà. Je suis pareil, c'est pas évident de lancer un gros bac quand tu vois les tarifs. Ben là, moi, là, je vais passer à quelque chose d'un peu plus gros, mais j'ai déjà une grosse partie du matériel. Donc, c'est. Je connais, j'ai 5 enfants. Mais t'es un malade, toi. Non, moi, à 3, je dis c'est bon, stop, on arrête l'usine. Hein. Parce que la première fois, il y en a une qui est sortie. La deuxième fois, j'ai eu des jumeaux. Si je retente, j'ai des triplés. Hein. Non, 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 non. Donc, non, non, moi, si on retente un coup, on est 6. Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, ça. Mais si le bailing te revient cher, passe un rack. Ah, en recomposé, c'est pas pareil. Non, moi, je suis toujours encore avec la mère de mes enfants, on va dire ça comme ça. T'es pas joueur. Non, non, pour ça. Non, Enfin, si je suis joueur, mais à un moment, il faut rester raisonnable. Hein, je veux dire, c'est pas pour rien que je suis loin de la maison toute la semaine. C'est parce que pour arriver à avoir tout le monde dans un certain niveau de confort,
Malgré mon diplôme d'ingénieur en informatique, faut bouger pour avoir, pour avoir le niveau de revenu qui permet de faire un petit peu tout ça, quoi. Ouais, en fait, le RAC, c'est une dépense à la base, mais après, tu économises sur le consommable. Le ATI apparemment est moins cher que d'autres buildings. T'es sûr de ça? Perso, les moins chers au dernier temps, c'était Zoantus, Tridacna, Neo 3+. Après, voilà. Ah, en deux solutions. Il y en a. Enfin, selon combien tu consommes, ça peut quand même revenir relativement cher. Donc, tant que tu consommes pas beaucoup, oui, ça peut être pas mal. À partir du moment où tu commences à avoir une grosse conso, non, le fait que ce soit en deux, aujourd'hui, on arrive à ne plus avoir certains composés qui s'agglomèrent et c'est pas un problème. Le problème, c'est que le transport d'un liquide est toujours plus cher que le transport d'une poudre parce que tu transportes de l'eau. Et le transport, c'est au poids, et donc de l'eau, c'est lourd. Enfin, j'ai l'impression de dire que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille, mais l'eau, c'est lourd à transporter. Donc en termes de coût, ça va forcément à un moment coûter plus cher. Oui, en poudre, ce sera forcément moins cher. Et après, en poudre, regarde, personnellement, le jour où il faut que je mette pour celui-ci, je prends le All For Reef de chez Fauna Marin. C'est une poudre, tu fais une solution, c'est un ajout, fini. Et tu te fais pas chier avec des pompes pour ça le matin, ça le midi, ça le soir, ça uniquement les soirs de pleine lune, s'il y a eu le vendredi 13 juste avant, avec Vierge en ascendant Y. Non. Tu mets un truc simple. Mais après, le classique en trois composants, pourquoi tout le monde le fait? C'est parce que Hans Werner Belling avait publié la recette. Donc la recette est publique. Mais depuis, il y a des tas d'autres technologies de complémentation qui sont arrivées. Simplement, oui, elle coûte plus cher. Mais là, en termes de praticité, je pense que le All For Reef est plus pratique. Voilà. Ah oui, ça nécessitait à 1 litre, 1 litre, 1 litre par mois. Ouais, faut penser à passer à autre chose. Mais tout le monde reste sur ce trois composants, ça c'est. Je sais, je comprends pas pourquoi. Alors, j'ai aussi été en trois composants, mais j'étais en trois composants à l'époque où il n'y avait que ça. Où on ne trouvait que du trois composants. Donc, oui, j'ai fait des vidéos sur les trois composants et ainsi de suite. C'est normal parce qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui, je ne ferai pas le même choix. Mais ça dépend d'en mettre que deux de quoi? Parce que si c'est une complémentation en deux composants, bah t'en mets que deux. Tu vas pas inventer le troisième, le sucé de ton pouce. Après, si c'est dans un protocole trois composants et que t'en mets que deux, il va manquer quelque chose à un moment. Mais KH et calcium, si c'est les produits de la méthode Belling, le problème, ça va être la balance ionique, qui est quelque chose de très délicat à expliquer, et le jour où cette balance ionique, elle tourne, ton bac il crache. Donc c'est pour ça qu'il y a ce troisième composant. Mais tu peux tenir des années avec que deux. Et si tu fais des bons changements d'eau, ça peut tenir très longtemps. Salut Yannick, ben ça va bien, ça va bien. Comme tu vois, on a une super discussion sur la complémentation. Avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais le troisième, si j'en ai pas besoin. Mais en fait, tu vas. Le troisième, c'est comme dit,
tu vas pas le voir en termes de consommation. Ce n'est pas du magnésium, c'est du sel sans sel, c'est pour la balance ionique. Donc voilà. Après, moi, j'oblige rien à personne. Et puis, si tu trouves que ça te va, ça me va. Mais prendre un protocole et n'en faire qu'une partie, j'ai un peu du mal parfois. Mais complément à la main, sel sans sel, calcium cache. Bah ouais. Si t'as un petit bac en complémentation à la main, ça passe. Hein. Non, mais je connais pas, c'est tout. Je demande des infos. Ah, mais en fait, si tu prends qu'une partie du protocole, tu vas déséquilibrer la chimie du bac. Le protocole Belling en trois parties, c'est pas pour te vendre un troisième produit magique. C'est parce que chimiquement, il a calculé et il a mesuré que si tu rajoutais pas ces produits-là, tu pouvais au bout d'un certain temps arriver à des déséquilibres, voire même à des stades où ton calcium sont bons, mais tes coraux poussent pas parce que les autres éléments ne sont plus là. Hein, c'est comme quand parfois tu peux être, on va dire, malade. Et quand tu regardes, tu as un manque de fer. Pourtant, il t'en faut pas beaucoup du fer dans le corps. Mais c'est un micro-élément qui te manque et t'es pas bien. Bah, les coraux, c'est pareil. S'il y a certains micro-éléments qui lui manquent, ils vont pas être bien. Taux d'une pompe doseuse, car le jour où elle claque, je n'aurais pas su gérer moi-même. Non, c'est pas le carbonate de sodium. Attends, faut que Alors, j'ai un trou. Hein? J'ai le droit? Je vais vite vérifier. J'ai un doute. Alors, parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Hein, c'est alors. Non, il s'appelle sel sans sel. Sont maintenus, machin. Il n'y a pas la composition. Écoute, je ne trouve pas la composition. Oh, fais chier. Tac, tac, tac. Chlorure de sodium. Donc c'est le chlorure de sodium, c'est pas du carbonate, c'est bien ce que je pensais. Mais plutôt qu'une pompe doseuse, car le jour claque, Yannick Riff qui me dit, ouais, mais tu pars en vacances ou quoi? Pour tout ça, quand ils partent, c'est moi qui y vais. Oui, ben bon, après, une cuillère de calcium, 2 de KH, c'est ça? Alors, une pompe doseuse, elle est précise si tu l'étalonnes régulièrement. C'est comme tout. Si tu fais rien, au bout d'un moment, elle va dévier. Parce que c'est comme ça. Hein, le tuyau va plus s'écraser de la même façon, le galet va plus tourner de la même façon, et ainsi de suite. Donc, une pompe doseuse, il faut l'étalonner régulièrement pour que ça marche bien. Et donc, si elle est bien étalonnée, elle est précise. Si elle n'est pas étalonnée, elle n'est pas précise. Et donc, tous les 2-3 mois, faut la réétalonner. Hein. Sinon, ça ne sert à rien de partir en pompe doseuse. Tu gagneras rien du tout.
Ben moi, je l'ai calculé, regarde mes TikTok, tu verras. Les coraux poussent, j'ai des œufs avec. Ah oui, je les ai déjà vus passer, tes trucs, Yannick. Enfin, j'étais en train de regarder si je t'avais dans les amis. Parce que, ouais, j'ai déjà vu passer tes vidéos. Attends, on vient de passer les 4000 j'aime, merci beaucoup. Merci Dario, qui est à fond, qui tapote, qui tapote, qui tapote pour rajouter des j'aime. Youhou! Bref, des œufs avec plus de 20 têtes. Dessus qui pousse encore. Bah ouais, ça peut pousser longtemps. Hein. Ouais, c'est ça, tu m'identifies de temps en temps. Mais moi, j'aime bien. En fait, c'est le but aussi de tous ces réseaux sociaux, c'est de se partager les choses, c'est de montrer, c'est tellement cool, quoi. Mais comme tu vois, la méthode Belling originale, c'est en trois parties. Mais après, aujourd'hui, il existe des méthodes en deux. Et des méthodes en un. Donc, si comme moi, tu es une grosse feignasse, prends une méthode en un produit. Je trouve ça compliqué le belling, j'y comprends pas grand-chose. Bah, si c'est compliqué, tu prends un All for Reef. Et puis c'est fini. Et j'ai pas d'action chez eux. Mais je trouve que la solution, elle est super simple. Pourquoi tu n'as pas mis l'eau de ton gros bac dans ton anneau? Parce que mon gros bac est à 200 km de mon anneau. Donc ça me cassait les poches à gonades de transporter l'eau. C'est tout. Parce que là, donc ici, le nano, il est en Suisse, dans mon appart, et le gros bac, il est en France, en Alsace. Le baling, c'est pour le calcium et le KH, ouais. Mais après, oui, ça aurait été plus simple, mais ouais, ça. Après, il aurait fallu que je la réchauffe. En fait, j'aurais rien gagné. J'aurais ramené éventuellement, si j'ai la moindre pollution ou la moindre merde à la maison, j'aurais ramené ici. Après, ici, l'eau de base, elle est vraiment pourrie. Donc, il y a intérêt à bien osmoser. Et là, c'est vrai que j'ai ramené un bidon de 25 litres d'osmosé de la maison où je le fais avec le Arca, parce que là, je suis vraiment à zéro. Tandis qu'avec l'osmoseur que j'ai ramené ici, j'arrive pas à passer à zéro. Donc, ça c'est le 1 et le 2. Et le 3, je pensais que c'était pour le magnésium. Non, le 3, c'est le sel sans sel. Si tu veux le magnésium en plus, tu as besoin d'un quatrième canal. Salut, tu vas bien? Du coup, as-tu réfléchi à mettre des poissons dans ton anneau? Ouais, j'ai deux, trois idées. Faut que je voie maintenant pour les trouver, parce que je veux mettre de l'élevage. Prochain achat, le Arca, ben ouais, c'est un. Moi, je suis super content. Donc là, en plus, comme j'ai 10 cm de neige cette semaine chez moi. C'est pas cette semaine que ça va arriver, mais j'ai vu des poissons qui m'intéressent. Maintenant, il faut que je vois si c'est réalisable et que ça passe sur le budget. Et puis voilà. C'est dans mes. Ouais. J'ai envie de relancer un nano cet été full anémone. Bah, un anneau d'anémone, c'est. Après, tu enlèves les pompes de brassage, tu mets juste la pompe de circulation, t'es nickel, hein. Je vais regarder ça alors, j'étais pas au courant. On a pas mal d'anémones sur nos plages, à marée basse. Ah, ça, je regarde jamais ce qu'il y a. Enfin, t'as plus de neige que nous en Finlande. Bah ouais, bah, viens en Suisse. C'est dans tes projets, le Arca. Bah, moi, j'en suis super content. C'est.
finalement pas plus cher qu'un autre osmoseur avec une résine. Et il débite. J'ai jamais eu un osmoseur de ce débit-là en domestique. J'ai déjà eu des gros débits avec des choses professionnelles, mais en domestique, tu as passé en live pour 90 minutes. N'oublie pas de prendre une pause. Ça fait 1 h 30 que je suis en live. Bah dis donc. Bonne soirée, Nicolas. Car la complémentation à la cristalline, ça dit. Ouais. Ok, pourrais-tu dire les noms des poissons d'élevage? Ben, là, j'ai vu une gobie et puis peut-être qu'il y aurait des ocellaris. Voilà. Mais après, il y aura. Ce ne sera pas une soupe de poisson, hein. Il n'y aura pas grand-chose. Enfin, quand je dis soupe de poisson, c'est pas méchant, hein. C'est juste que je veux pas surcharger. Tu veux que je monte? Tu veux monter où? Ou bien tu veux venir en live? Viens, franchement, quand tu veux. Ben ouais, mais je sais qu'il y en a chez Recifatom. Simplement, actuellement, il fait super froid. Et je ne vais pas prendre le risque de mettre des poissons dans des caisses de transport par du moins 8 000, alors que si j'attends une semaine, ils peuvent bouger de façon tranquille. Salut, eau de récif. Salut, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Ok. Hop. Ah, un petit filtre, et tout de suite, ça va mieux. Ouais, le soir c'est en bleu donc. Mais oui, ah, t'as un flav, t'as un hépatus à ventre jaune. Ouais. Ils sont beaux ceux-là. Bon, l'aquarium il est dégueulasse, hein. Je l'ai pas nettoyé aujourd'hui. Tu sais, moi je le nettoie parfois juste avant les vidéos parce que il n'est pas toujours nickel. Hein. Et même maintenant, même quand je fais des vidéos, il n'est même pas toujours nickel. Bah, je nettoie pas tout le temps mes vitres par rapport à la microphone, surtout vu que j'ai un mandarin. Mais oui. Surtout ça. Et vu Et que mes après, tu vitres, les elles fais pas grouillent de tout en même microphone, temps? pas tout en même temps, 2 sur 3, sur Voilà. 4. Ah non, moi je fais même 2 sur 4, malgré que ce soit un péninsula. Il y a dans mes grandes façades, il y en a une, je fais un jour, l'autre, c'est le jour d'après. Parce que sinon, j'enlève toutes les algues que mes chirurgiens mangent. Hein, t'as une sacrée belle collection aussi. Hein. Ouais, j'ai de la Derbézia surtout. Bah Cette ouais. saloperie de Derbézia. Et ça, c'est par rapport à mon problème de Alors, phosphate. Donc, LVSR, ça n'a rien à voir avec la taille du poisson. On va dire que tu les mets du moins agressif au plus agressif, normalement. Mais après, tu peux faire des acclimatations au piège. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui te permettent d'ajouter un poisson peu agressif alors que tu as déjà des poissons agressifs. Flux RX pour la Débrésia, super efficace. ouais. Débrésia, la seule fois où j'ai dû la gérer, j'ai sorti la pierre. Ouais, je pense que je vais tenter le blackout sur 3 jours. Ou bien tu peux aussi monter le cache. Ça Ouais. va réduire la progression. Mais Bonsoir. j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Alors, moi j'ai un clown avec une seule bande rouge qui est dans le bac depuis un bon moment. J'en ai acheté. Ah, oh, excellent, des Xenia. Attends, il y a mon doigt devant. Mais Voilà. impossible de faire. Il veut le tuer directement. En fait, si tu rajoutes un clown, il faut le rajouter vraiment petit. Parce que le plus gros des deux devient la femelle. Et si c'est déjà une femelle et que tu rajoutes une femelle, eh ben ça va être la guerre. Une petite favite. Ou bien, non, c'est peut-être un colastrea. Ici, c'est Colasrère. Ouais, colastrea. Tu sais, Les deux. moi j'ai ta vidéo en petit et avec Ouais, mes mais moi yeux de aussi, c'est pas vieux. évident. Avec mes yeux de vieux.
Après, il y a eu Sarko, du Xanthus, des conneries, quoi. Beaucoup de mou. Un Zebra Zoma Scopa et un couple d'Ocellaris. Bah à ce moment, tu mets d'abord les Ocellaris et le Scopa après. Cryptera. C'est pas un hein, que j'ai dans la tête tout de suite là. Il faudra que je cherche. Passer dans la décompte en attendant. Dommage que tu ne fais pas de live sur Instagram. Je serais monté en live te montrer le bac complet. On peut faire des lives Insta. Tu me conseilles quoi pour enlever les cyanos? En fait, à la base, la cyano, ça vient d'un déséquilibre phosphate nitrate. Si tu viens de démarrer comme moi, voilà, je vais te montrer parce que. Tac, 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 voilà. Hein. Moi, j'ai démarré il y a 2 mois, donc là, j'ai un peu de cyano. Mais vu que je viens de démarrer, on s'en bat les steaks. C'est normal lors du démarrage. Attends, je mets les lunettes pour bien voir. Enfin, le filtre. Comme ça, tu vois mieux. Et là, j'ai de la. Ah, bleu ventre jaune. C'est un peu agressif, ça. Et donc, tu vois, j'ai de la cyano. Mais comme j'ai démarré il y a 2 mois, c'est pas grave. Et j'ai commencé à mettre un petit peu de coraux. Pourquoi il m'embête mon corail, cet escargot? Bref, hein, comme là-bas. Et quand là, dans 2, 3 semaines, ça devrait passer tout seul en faisant rien. Et puis voilà. Et après, si c'est pas ça, tu vas avoir un déséquilibre entre les phosphates et les nitrates. À ce moment-là, bah, tu rajoutes des bactéries, par exemple. Tu rajoutes des bactéries pour réensemencer en bactéries. Après, tu peux booster tes bactéries en rajoutant du sucre. Mais le sucre, ça va fonctionner que si tu as des nitrates et des phosphates en même temps. Hein, voilà. Alors, comment je fais ça? Tac, tac. On revient là. Hein, donc, si tu rajoutes du sucre, c'est que si tu as nitrate et phosphate. Ça, c'est un truc essentiel parce que parfois, les gens, ils n'ont qu'un des deux. Et c'est comme si tu as de l'essence et t'as pas d'air. Tu as beau mettre une étincelle, ça ne marchera pas. Donc, si tu as les deux, tu rajoutes un peu de sucre un jour sur deux, le soir avant le coucher. Et puis, ça va te booster tes bactéries. Et ça va venir faire la concurrence à la cyanobactérie. Et donc, ça va l'éliminer. Après, qu'est-ce que tu peux avoir aussi? Tu peux avoir un KH qui est trop bas. Donc, vérifie ton KH. Et tu peux avoir le brassage. Mais si tu es en jobert, tu es forcément avec un brassage faible. Donc là, ce n'est pas évident de jouer sur le brassage. Pour le cash, je suis entièrement d'accord. Ah oui, le KH, je le suce pas de mon pouce. Hein. Non, mais dès que tu descends en dessous de 8, merde, moi je l'ai remarqué. Alors, tu conseilles quoi comme marque de bactéries pour en rajouter? Alors, là, j'ai les ADS. Et chez Atelier, ça, c'est pas les bactéries. Hein, mais chez Atelier Restifal, ils ont aussi des bonnes bactéries comme ça en poudre. Et ensuite, hop là, hop là, hop là. Il y a dans des kits comme ça, où il y a le kit où il n'y a que le biodigeste. Mais bon, c'était plus simple de ramener un kit avec de tout. Pour le nano, et alors je prends le biodigeste. C'est-à-dire le seul truc qui est parti ici. Mais là, je vais rajouter un peu d'iode dans le bac. Parce que j'ai mis des mous et que l'iode est quand même très volatile. Et puis voilà. Iodi, Coralvit et Reef Booster. Oh là, le Reef Booster, il a tourné. Bref, voilà quoi. J'ai un truc à te montrer. Tu as un truc à me montrer? Bah, demande à monter, je sais pas. Le boss. Comment je fais? Hop, accepter. Voilà.
Normalement, là, tu vas monter. Salut. Ça va, ça va? Voilà. Pardon? Oui. Pour l'instant, je te vois toi, donc c'est une grosse Oui. bête, mais t'es pas Ah, sur la attends. vitre. Oui, attends, je tourne la caméra. Désolé. Oui. Bébé, je vais pas tourner ta caméra, quoi. Ça y est. Alors, est-ce Tu que m'entends? j'arrive à te mettre en plus grand? Pourquoi c'est Alors, bon? est-ce que... Tu vois ou pas? Ben moi, c'est en fait, tu sais, t'es en petit. Est-ce que j'arrive à... Attends, est-ce que si je fais ça... Voilà, là, je t'ai en grand. Oh putain, tu sais, je découvre. Ah, bah, t'as des copés, t'as des pods. T'as vu, T'as des Radin? copés J'en ai pods. plein, plein, plein. Il faut que je fasse les vitres. Hein. Là, je viens du travail. Ça fait une semaine que je me suis Oui, pas non, mais coupé. c'est... Mais c'est Tu vois très le bien, robot, toi? ça. Mais C'est il y de en la a plein, hein. microphone, c'est nickel. Plein la vitre. Hein. Mais ça, je ne l'avais pas avant. D'un coup, c'est venu comme ça sur la vitre. Bah oui. Mais ça, c'est nickel parce que ça, c'est vraiment la vie, la micro-vie noble pour nos aquariums. Et si tu as Ouais. ça, c'est que ton aquarium, il est en pleine forme. Ah ouais, Donc mais j'en ai plein, j'en ai là, plein, mais, eux... mais j'en ai plein, hein, partout j'en ai. Ouais, mais tes poissons ou comme ça, ils vont se régaler. D'accord. J'ai trois poissons clowns, ils sont cachés derrière les pierres là. J'ai rallumé la lumière, c'est éteint, je l'ai rallumé. Là, j'ai un coraux, tu vois. Ouais. Tu vois le coraux? Bah, j'ai du mal à deviner ce que c'est, mais Un ouais, sarco. c'est... C'est un Ça... Ouais. sarco. J'ai lui, après j'ai... Bon, mais faut que je refasse la vitre. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais les bébêtes, là, j'en ai plein, plein partout. Je ne les voyais pas avant. Ben, c'est qu'avant, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais à force Ouais. d'avoir des bonnes conditions, ils se reproduisent. Et ça, c'est bien, par exemple, si tu veux, au bout d'un certain moment, avoir un mandarin ou ce genre de choses, il faut que tu aies ce genre de bébête. D'accord. Il Et faut ça que... bouffe, ça mange les gazelles, quoi? Ça mange quoi, ces bébêtes? Ça va manger... En fait, ça va manger des détritus, des algues, tout et n'importe quoi. D'accord. Ah, ça mange tout ça, alors. Ça mange les algues sur la vitre et tout, c'est ça? Ouais, ça mange ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que là, ils sont sur la vitre pour manger ce qu'il y a sur la vitre. Mais Ouais. après, ça va manger, si tu as un cadavre, ça va manger du cadavre. Si tu as des sédiments, bah, ça va aller les fouiller dedans. Ouais. D'accord. Mais ça, Ça va je les manger avais le pas, caca ça des fait. poissons, ça va... Pardon? Mais ça, je les avais pas. Ça fait quoi? Ça fait depuis ce matin, je les ai vus sur la vitre. Mais ça veut dire qu'avant tu en avais déjà, mais simplement tu les voyais pas et puis elles étaient peut-être sur les pierres. Et là, D'accord. comme tu as peut-être un petit peu nourri beaucoup ou quelque chose, ou bien un écumeur qui tourne un peu moins fort, et tu Ouais. as tes vitres qui se sont salies parce que tu as plus de nutriments dans l'eau. Donc si tu fais un petit contrôle nitrate phosphate vite fait, tu vas te rendre compte que tu as peut-être un petit peu de nutriments, et là où il y a à manger, ça vient. D'accord. Eh bien, c'est gentil de m'avoir répondu. C'est vraiment Mais de gentil parce que je rien. te suis, ça fait très longtemps, je regarde tes vidéos et tout ça. T'es un pro Bon, de bon. l'aquarium. Non, je suis un amateur. Mon métier, c'est de l'informatique. D'accord. Mais bon, ça fait longtemps que je te suis. Ça fait long... C'est pour ça que je me suis dit, il est en live, je vais profiter pour lui demander quelques trucs. C'est pour ça. Ben ouais, il n'y a pas de souci. Super. Je me suis abonné à toi. Je suis déjà abonné à toi, ça fait longtemps. Après, si tu veux Ben, ça... développer un peu plus ton microphone, tu peux rajouter du phytoplancton. De quoi? J'ai pas entendu. Si tu veux développer un peu plus ton microphone, tu peux rajouter du phytoplancton. D'accord. Parce que bon, au début, j'avais pas tout ça, et là, d'un coup, ça a apparu. Je me suis dit, mais ça, je l'avais pas avant. C'est pas, je me suis dit, je vais regarder. Je vais lui demander, pour. Bah ouais, bah t'as Ok. raison. Donc, c'est un bon truc, quoi. Oui. C'est des... On va dire qu'il y a beaucoup de monde qui serait content d'avoir ça. D'accord. Même pour les poissons, l'eau est bien, tout, alors il n'y a pas de problème. Hein. J'ai fait mes tests, ils sont bons, c'est pour ça. Oui, c'est nickel.
Je vais juste mettre un petit peu de probiotique chez moi dans le bac. Justement, comme j'ai les cyanos, je vais mettre un peu de probiotique comme ça. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de l'eau du bac dans un gobelet. T'as pas gourmi des poissons dedans, je vois. Non, pas encore. Et Ok. comme je disais, là il fait froid cette semaine, donc j'ai pas commandé pour cette semaine. Là, et là, je suis en train de voir avec Recifatom pour qu'est-ce que je veux mettre. Parce que j'aimerais bien des poissons qui ne sont pas courants. Ok. Mais en même temps, je veux pas des trucs compliqués. Je suis chiant. Ça, ça fait bizarre de voir ton petit aquarium au lieu du grand aquarium que tu as d'habitude hein, chez toi. Mais le grand aquarium, tu le verras bientôt plus. Ah ouais? Ouais, il va partir. Il est déjà vendu. Et puis, il y aura un plus grand aquarium à la place. Donc là, j'ai pris des probiotiques, j'ai mélangé. Bah, vous avez vu peut-être le petit truc mousseur à lait, hein, pour mélanger les poudres et ainsi de suite. Ah, c'est bien ça. Ça coûte que dalle, ça coûte 3 balles à Ikea ou n'importe. Et puis. Ok, bah écoute, je te remercie, je descends en bas, j'écoute ce que tu dis, regarde les commentaires. Ok, super. Et merci Et beaucoup et bonne soirée à toi. bonne soirée. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à Merci attendre que ça de saute. votre récit. À toi aussi, bonne soirée. Merci. À plus. Bonsoir À plus. Sabine. Salut Yannick. N'hésite pas à me faire un message. Bah, on verra si je fais des lives sur Insta. Mais ouais. Salut ZM. Ça va bientôt faire 2 heures que je suis en live. À un moment, je vais arrêter le live. Ça donne soif en plus. Je viens d'utiliser mon verre. Le boulet. Un petit reste de poudre, non? Ouais, allez, un peu de probiotique pour la digestion. La protéine avant le soir. Non, mais ouais. Oh, mais tu vois, là, tranquillement, tu vois, tout le bac devient blanc. Et puis, il y a des probiotiques. Donc, ça va venir booster un petit peu les bactéries qu'il y a dedans. Ça va venir aider, on va dire, les nourrir les coraux. Et puis voilà quoi. Des petites poudres qui vont bien. Et c'est en ajoutant ce genre de petites choses régulièrement que ma cyano va disparaître. Et puis si déjà j'ai les produits, autant les utiliser. Quand je mets des bactéries, je coupe mon écumeur. Alors, pas moi. En fait, parce que si je coupe mon écumeur vu son volume, je vais avoir une baisse de pH qui va être relativement rapide. Surtout qu'il est couvert. Donc dans mon cas, je préfère perdre un tout petit peu des bactéries et avoir un bac qui a le bon niveau de pH. Plutôt que de miser sur le pH, je branche juste mon téléphone parce que. Voilà. 10 000 likes déjà. Mais moi, ça m'en affiche 6 800. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu ta pompe de brassage, elle tournait pas. Tu l'actives quand? Alors là, elle marche pas. Je l'active à peu près un quart d'heure par jour. Parce qu'en fait, elle n'a pas ultra besoin. C'est plus par flémangite quand je veux, on va dire, faire une petite tempête. Si je voulais, je la laisserais dehors et puis je la mettrais dedans pour que quand j'en ai envie. Et par flemme, elle est en permanence dedans sur. Attends, je vais te montrer. Il faut que je fasse gaffe, j'ai la laisse pour l'électricité. J'ai un. Ah, je peux pas te montrer. J'ai un petit patch. Disjockey là pour les comme pour les lumières des disjockeys. Alors je peux l'activer ou pas et c'est super cool. Voilà, mais j'en ai pas besoin en permanence. Et si j'y arrive, faut que je voie pour filmer ça aussi.
faut que je fasse un petit test. J'ai envie de tester un test ICP. Et je vais essayer les tests ICP de Sheriff Factory. Ils sont pas mal. Mais j'ai pas encore, j'ai des bons retours, mais moi j'avais pas encore testé. Faut que Après, j'envoie je le suis mien, moi. pas un grand adepte des ICP parce que parfois ça me fait, comment dire, ça me fait un peu sourire. C'est pas méchant, hein. Mais les gars qui affichent leur ICP en disant, ouais, je suis à 98,22% de ce qu'il faudrait. Mais en fait, est-ce que tes coraux t'applaudissent? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, et la plupart des temps, les gars, ils font leur ICP, c'est pour avoir le calcium, magnésium, nitrate, phosphate. Fais des tests en goutte. Ça te coûtera moins cher, parce qu'à 50 balles de test, ou 40, enfin, j'exagère sur le prix, mais c'est un petit peu ça, si tu fais un compte des frais de port et tout ça, ouais. Attends, je vais te mettre en grand au dégressif parce que je Oh vois bon, un ça petit peu là ce que décante. tu nous montres. Ben oui, justement, c'est intéressant, hein, décante. Oh, c'est le bordel, je l'ai nettoyé là en début de semaine. J'étais déjà dans un bordel, ça ressemble pas à ça. Moi, j'aime bien quand tout est propre, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le patch panel comme ça, j'en ai un en dessous et j'ai une pompe de brassage dessus. Et faut que je fasse gaffe aux bêtises que je dis, ça va, on est 10. Les gens comprennent que c'est une bêtise, mais ouais. Après les deux vannes, toujours pareil. Hein. Celle Bah oui. d'origine, c'est un peu de la merde. Et du coup, ouais, j'ai vu ta vidéo que tu avais changé la vanne. T'en penses quoi maintenant que tu as changé? C'est mieux? La vanne rouge, elle est mieux. Il y a même pas à discuter. La noire, tu sais, t'as des crans tout le temps là. Ouais, c'est La ça. Moi, rouge, elle est lisse. j'ai une noire là. Voilà. La rouge, dans la progressivité, elle est lisse. Je sais pas si tu vois, comprends ce que je veux dire. Elle est Oui, vraiment. un peu comme celle-ci, comme celle que j'ai ici en fait. Ouais. Celle-ci, celle de droite, elle est crantée, c'est un peu dans le même style que Red-ci. Et celle-ci, il n'y a pas de cran, c'est direct comme un robinet, quoi, comme un mitigeur. Voilà. Sauf que en quart de tour, parfois, c'est un peu chaud. À régler, mais ça se fait. Et là, c'est vraiment lisse, t'arrives à bien. Non, ah ouais, parce que moi, j'ai vraiment pas de souci de déréglage avec la rouge. Et après, comme en plus, j'ai mis le Blue Marine Silencer dans le trop-plein, si jamais il y a quoi que ce soit et que ça passe par le trop-plein, ça fait pas plein de bruit jusqu'à ce que je rentre. Parce que c'est ça qui peut énerver madame, c'est les jours où elle est en télétravail. Et où il y a l'aquarium qui fait à côté. Et je vous montre Aptasia Land. Ah, ça c'est chiant ça, Tasia Land. Ouais, mais j'ai pas de crevettes en bas. J'en ai plein en haut et j'en ai pas en bas. Donc en haut, j'ai quelques Aptasia, mais en bas, ça envahit. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, après. Oh, des Il y a deux clowns. petits clowns. Ouais, bah, ils peuvent pas aller en haut à cause des deux autres. Vu que moi, c'est une récupération de bac que j'ai fait mi-octobre, j'ai pas réussi à lâcher les miens. C'est dur, c'est très très dur de faire cohabiter deux couples. Ouais, j'ai essayé, au bout de 10 minutes, j'ai vu que la femelle commençait à cartonner, je les enlevais aussitôt, quoi. Le 350 G2, t'as la vanne qui se dérègle aussi. T'as quoi comme pompe de remontée? Parce que moi j'ai déjà vu des gars, déjà sur la version 1, ils avaient je sais plus quelle pompe de remontée qui était totalement instable. Ben justement des Shebao qui n'ont pas de pression mais te donnent à peu près le débit que tu veux mais elles n'ont pas de pression et suffit que tu aies une algue ou n'importe sur la sortie et ça te dirait et ça et elle fait plus le même débit et à ce moment-là tu es bon pour régler ta vanne. Parce que si tu as quelque chose d'un petit peu plus pêchu comme du Max Pect, du Reef Royal, du Royal Exclusive, des vraies pompes, on va dire ça comme c'est méchant. Hein. Et ben là, tu as un débit qui est vachement plus stable, puissant en termes de pression, et à ce moment-là, tu as moins ce problème de la pompe. Ben voilà, j'ai pas aucun. Ouais.
Alors. Moi, j'ai pas de soucis, hein. Je suis en GBAO, j'ai pas de soucis. Oui, mais après, c'est. C'est aléatoire, quoi. Voilà. Moi, j'ai une Jebao, elle est dans mon aquaponie. Pour mon aquaponie, pour aller amener l'eau jusqu'à 2 mètres de haut pour arroser mes tours de fraises, ça va bien. Mais après, je ne l'ai plus dans le bac parce que c'était pas stable. Si je trouve un flav, je peux mettre quoi d'autre comme poisson, sachant que j'ai déjà un couple de clowns et l'arbre Crésus. Regarde, qu'est-ce que tu peux mettre encore? Fascinatus, là, les... Des Xanthias, c'est pas mal. Non. Ouais, il y a les anthias. Il y a quoi Il y a des d'autre? Parce que moselles tu as déjà aussi. des labres, tu as déjà des trucs. Après, tu peux regarder aussi tu sais, les poissons qui vont te faire le sable, comme les phalanéas. Ce genre de choses, quoi. J'ai perdu patience et maintenant je laisse le surplus passer par le trop-plein. Ouais, bah, et à ce moment-là, moi, dans le trop-plein, j'ai le silencer. Comme ça, mon trop-plein, il fait pas de bruit. Parce qu'à la base, moi, j'ai commandé la vanne rouge chez Récifatom. Et Récifatom m'a dit, mais attends, il y a ça encore en plus. Alors, vu que ça vaut 4 balles, puis mets-le en plus, et puis voilà. Mais ouais. Pouh. Merci, Liridon UK pour les gemmes. Si je mets le flav, je peux oublier le centropige bispidosus, non? Pourquoi? Non, tu peux en mettre Ça n'a un. rien à voir. C'est un Tu peux en orange, j'ai mettre un un. chirurgien, Moi, c'est pas j'en la ai même un avec un catégorie. flav, c'est pas un souci. Ouais. Sur le G2, franchement, je n'ai aucun bruit. Ou alors très peu avec le trop-plein. Ok. Bon. Après, moi, je suis très sensible au bruit. Et on a tous une sensibilité différente. J'étais déjà chez des gens où je trouvais qu'ils avaient un hélicoptère dans le salon. Et pour eux, c'était ok. Là où chez moi, si c'est pas silence, ça va pas le faire. Après, oui, dans 250 litres, ça va être serré d'avoir tout ce petit monde. C'est pour ça que je partais plus sur du phalanéa, ce genre de petits poissons. Déjà, le fleuve dans 250 litres, c'est limite, quoi. C'est le minimum. Il lui faut au minimum ça avec quelques cachettes. Et Hein, puis, pas dans trop de monde, l'idéal, il surtout. faut l'un ou l'autre pilier pour qu'il puisse tourner autour, qu'il puisse un peu s'amuser, mais voilà. Parce que si tu mets un bispinosa en plus, Ouais, ça peut faire beaucoup. ça va être Après, léger. le problème, c'est que si t'aimes les poissons, il faut des gros volumes en marin. Sinon, ça te fait une soupe de poissons et puis ça va se castagner. C'est pas la longueur des roues, c'est plus le litrage qu'il faut regarder en fait. Parce que tu Ouais, peux parce que avoir la un longueur bac de long et nage, c'est fin, mais cool. au final, c'est pas l'idéal. Et le flav, en fait, pourquoi c'est le seul? Parce que il est un petit peu comme le discus. Il est encore capable. Il est assez haut pour arriver à prendre des virages serrés. Tandis que tu prends un chirurgien plus allongé, comme les paracanthus ou ce genre, il lui faut un rayon de braquage un peu plus grand. Pour résumer, je résume bien sûr. Hein, ça, mais voilà. La mini et la limousine. C'est ça. Un champ de Procifera derrière. J'espère si ça aide. Un pont de pilier, ouais. Des conseils sur la maintenance des Seriatopora calandrum. Bien de la lumière. Vérifier ton KH. Avoir un KH très stable. Au-dessus de 8. Et La puis, température, moi j'irai. ouais, température, c'est important.
Mon perso, le gros, je suis à 23 et celui-ci, je l'ai mis à 25 parce que c'est un anneau, il est vachement plus. Soumis aux variations de température. Et comme dans mon appart, j'ai 19, par exemple, ben, il va vachement plus facilement actuellement en hiver descendre à 24,5. Donc si j'étais à 23, je serais à 22 et ce serait trop froid. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Moi, je suis à 25 sur celui-ci. Ouais. Ouais, bon, après, c'est. Comment dire? Chacun voit son truc. Tant que tu es entre 23 et 26, c'est bon. Le truc, c'est qu'en été, par exemple, si tu as 25-26, la montée en température pour arriver au 29-30, tout ça va commencer à poser ce problème, elle est vachement plus rapide. Et en hiver, eh ben, oui, tu vas avoir un petit peu plus de marge avant qu'il chute. Si tu as les pointes qui deviennent blanches, peut-être que tu éclaires trop fort. Voilà, c'est l'éclairage est très important et si tu éclaires trop fort, ce qui arrive régulièrement avec certaines LED, eh ben les coraux vont pas apprécier. Faut peut-être soit tu le descends, soit tu réduis ton éclairage. J'ai pas trouvé ce que c'était comme poisson, le phalanéa. Attends, 2 secondes. Alors, Ambligobius phalanéa. Alors, 2 secondes. Je vais te montrer mon écran d'ordinateur. Ça va être plus simple. Hop. Hop. Alors, et Remettre en je grand au reprends milieu. le livre. Voilà. Ouais. Nickel. Ouais. Ça ressemble à ça. Alors, c'est pas une pub Masterfish, mais voilà. Et le. C'est Toi, quoi, c'est ça un vaut pas gobie? très cher. Hein, c'est dans la famille des gobies, ouais. Ouais. Et Ambigoblus phalanéa. Alors, au niveau de l'orthographe, regarde, ça s'écrit comme ça. Ambligobius. Rien que l'orthographe de ce mot, elle est chiante. Hein, derrière. Et donc, alors, il est. La différence entre le mâle et la femelle, c'est sur la queue. La femelle, elle a un point noir. C'est tout. C'est le seul. Et après, tu as dans la même famille, tu as celui-ci, qui est un peu plus coloré, mais qui est aussi un phalanéa. Mais c'est beaucoup plus rare de le trouver dans cette pattern-là qu'en gris. En général, tu vas le trouver en gris comme ça. Tu vois, là, je suis sur le site de Recifatom. En fait, tout le monde en a. De cela-là, on le trouve. C'est un poisson qui est très courant. Au plus haut dans le bac, mais depuis peu, pointe blanche. Alors, au plus haut, le truc, c'est que parfois, les conseils de placement correspondaient à des C'est placements en ça. H-Puits. Et les éclairages ont tellement évolué que bah, si tu fais ce qu'on te conseillait il y a 20 ans, eh ben, c'est la merde. Tu as une bonne expérience avec Masterfish. Alors, Masterfish, moi, ils sont à côté de chez moi. Autant dire que je fais pas de VPC, j'y vais direct. Mais donc, j'ai pas d'expérience en VPC avec eux. En VPC, moi, je passe par Recifatom. Voilà. On m'a toujours conseillé de les mettre au plus haut. Ouais, c'est tout. Donc, moi, en VPC, le seul VPCiste
qui m'ont livré quelque chose, c'est Récif Atom et Fab Corail. Les Riflettes 90, elles envoient, mine de rien, elles envoient quand même des watts. Ça peut être un peu fort si tu es pile en dessous. Voilà. Mais après, pourquoi pas, hein? Mais si tu es pile en dessous, ça peut être un peu fort pour eux. Et donc, si je mets le Bispi à la place du Flav, ça me libère une place ou non? En fait, on n'est pas à il faut 1 cm de poisson pour 100 litres. Hein. C'était en eau douce qu'il y avait une règle à la con dans ce genre-là. En marin, tu vas regarder pour chaque poisson sa capacité de pollution. Et à chaque poisson que tu rajoutes, tu le nourris et ainsi de suite, et tu regardes si tes paramètres en termes de nitrate phosphate bougent ou pas. Si ça bouge pas, tu peux en rajouter. Si ça bouge, c'est que tu en as mis un en trop. Pour résumer. Merci beaucoup. On est à 10 000 j'aime. Merci beaucoup, lironon.uk. Ah, je suis carrément en dessous. En dessous. Bah oui. Si tu es carrément sous la LED, là où c'est le plus fort, il va pas aimer. Parce que si déjà, je mets la plus jolie image en grand, le gros qui parle, il peut être en petit. Tout de Non, mais suite. c'est vrai. Non, mais alors j'ai une énorme autodérision. Longtemps, je faisais pas trop de vannes en vidéo parce que je me faisais bâcher à chaque fois par des vieux pour qu'il fallait être sérieux quand tu parlais de cette passion et ainsi de suite. Et puis là, maintenant, on me lâche un peu la grappe. Donc, je peux me libérer un petit peu et puis montrer un petit peu plus l'autodérision et puis les conneries, quoi. Oh bah c'est le mieux, hein. C'est le mieux. Mais Tu as le monde oui, change. Hein. heureusement. Heureusement, moi je me rappelle au tout départ, quand je disais corail, il y avait des gens qui me bâchaient parce que, en fait, c'est un octocorallinaire ou c'était je sais plus quoi. Il y avait un corail que j'avais nommé corail au lieu de. Parce qu'il faisait partie de la famille des je ne sais plus quoi. Et à un moment, ouais, mais pour la plupart des gens, c'est en famille des coraux, quoi. Puis les noms, ils sont pas évidents, certains. Mais quand j'ai commencé, tout était encore avec les noms latins et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, c'est carrément. Ouais, c'est du ultra. Je sais plus, atomique, zoom, green, lanterne. Ça veut. Les Euphi, ouais. Les New York, les 24K aussi. Mais les Orantus, c'est de la folie, les noms. Les noms des Orantus, c'est de C'est la limite des folie. plaques d'immatriculation, les bordels. Ouais, non, mais. Donc, au bout d'un moment, tu fais. Bah. Bon, les amis, je Il ne vous va pas aime, tarder. mais là, il va être l'heure pour moi de vous laisser. Hein, histoire de prendre une douche, parce que je dois puer, et puis de préparer tout ça pour. Me préparer pour la journée de demain. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de faire ce petit live avec vous. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup pour les 13 000 j'aime. J'en vois que 10 400 pour l'instant, mais si ça se trouve, il y a 3 600 qui sont encore sur la route. Et puis voilà. Et Sont bloqués par la neige. Mais ouais, c'est le froid, tout ça, il fait moins 2. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Profitez de vos bacs, amusez-vous. Ça, c'est l'essentiel. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors, extinction.